Chers amis Gilets jaunes, bonsoir, bonsoir si vous êtes Gilets jaunes ou même si vous n'êtes pas Gilets jaunes mais que vous désirez la même chose, la révolution. Bonsoir à tout le monde. Euh... Bon, allez, on arrête la révolution pour ce soir. Euh... Donc, je disais je disais peu importe votre couleur peu importe votre appartenance votre pensée si vous désirez mettre fin au système de corruption si vous avez compris que le seul ennemi est la franc-maçonnerie et la corruption généralisée eh bien bienvenue et j'espère vous apporter l'information nécessaire l'éveil nécessaire et que nous y arriverons ensemble alors ce soir je vous montrerai donc l'agression de qui a eu lieu euh, lors de la mobilisation de samedi dernier, de l'acte 12, sur la personne de Vincent Lapierre. Euh, beaucoup d'entre vous le connaissent, ceux qui le connaissent pas, c'est un. C'est un. On peut dire journaliste indépendant, euh, un peu comme votre serviteur, mais avec beaucoup plus d'expérience, de bouteilles, d'ancienneté, tout ce que vous voulez. Euh, et donc voilà, c'est une agression que je condamne fermement. C'est. Euh, Vincent Lapierre est quelqu'un de bien. Hein. Les, les informations qu'il essaie de transmettre, parce que si ça lui arrive de faire des vidéos explicatives sur les GAFA, sur le Venezuela, sur beaucoup de choses, hein. il était avant avec Alain Soral et il roule tout seul depuis quelques temps. Donc euh, voilà, de mon côté, ceux qui me font confiance, ceux qui cherchent mon avis, moi je vous le dis euh, clairement, euh, Vincent Lapierre euh, vaut un million de fois mieux que tous ceux qui ont été cités par un certain Drouet ou d'autres, euh, euh, que ce soit Natacha Polony, mais vous rigolez les gars, hein, pourquoi pas, euh, Ruth, Ruth Elkrief, hein, tant, que, tant que vous êtes, hein, vous y êtes hein. Bon et tous ceux que vous citez, je rappelle que Rémi Buzine, le hein, brut, c'est un média qui appartient euh, enfin, voilà, qui appartient à l'oligarchie et qui aussi euh, provient de, de, de France Télévisions. Euh, donc euh, voilà, soyez alerte sur tout ça. Euh, et si Vincent Lapierre a été agressé et pas d'autres. De la même manière, on peut raisonner aussi, hein, si euh, Jérôme Rodrigue a été agressé, et pas ben d'autres, ça devrait vous parler. Hein. Généralement, le système euh, n'agresse pas ses enfants. Hein. Ça devrait vous faire réfléchir, ça. Bon, alors, tout ceci donc euh, pour vous dire que je vous montrerai euh, la vidéo de la fâcheuse agression, euh, pitoyable. Euh, scandaleuse c'est comme sur jérôme c'est un attentat pour moi il n'y a pas d'un autre mot hein. parce que une dizaine de personnes sur un homme déjà euh, déjà c'est lâche il n'y a aucun code qui est respecté. Donc ces gens-là ces gens vont parler d'honneur, vont parler de, de valeur, de révolution, de combattre le système. Mais je veux dire, ils sont pires que tout. Ils sont pires que tout. En plus, des, des, des gosses, des jeunes. Hein. On voit certains n'ont même pas 20 ans, les autres la vingtaine. Franchement, vous ne savez même pas ce que c'est le respect. Vous avez vu son âge, Vincent, ou moi, demain, vous allez m'agresser sur une des manifestations. Enfin, je le sais très bien. Hein. Je sais que je suis dans le viseur du système. Et je sais que les, les antifas, particulièrement, et même les ou d'autres, hein, c'est peut-être des, des jeunes, parce qu'un jeune, il n'est pas formé dans sa tête. Hein. Il n'a pas toutes les données. Même. Votre serviteur, je ne sais pas tout, surtout, il faut tout, toute une vue d'expérience, de vécu, de découverte, de curiosité, de, de rencontre pour s'enrichir, pour assembler le puzzle. Hein. Donc, les jeunes, ils partent d'une bonne foi, on les a formatés, on les a endoctrinés depuis l'école avec la télé, les médias, les séries, etc. Euh, le racisme, c'est mal, euh, le fascisme, c'est mal, etc. Oui, c'est mal! Mais vous suivez des gens qui vous manipulent. C'est souvent, c'est eux les plus grands fascistes, c'est eux les plus grands racistes, c'est eux qui appartiennent au système, c'est sont eux qui sont tirés de loin par les, les oligarques que vous, vous, de bonne foi, vous essayez de combattre, mais les mecs, vous êtes manipulés. Hein. Donc, il y a toujours derrière un ou plusieurs agitateurs professionnels. Hein. J'aime bien ce terme qui a été utilisé par Trump lui-même, hein. c'est pour vous dire. D'ailleurs, Macron, quand il dit le diable se cache entre les détails, euh, tout ce qu'ils disent, ces gens-là, n'est pas acheté. Hein. Ils utilisent euh, les, bonnes, euh, les bons termes, mais ils se les approprient à tort. Donc, euh, souvent, c'est eux les diables, l'agitateur professionnel, c'est Trump. Mais bon, c'est quand même intéressant de reprendre leur élément de langage. Il est intéressant pour nous, hein, et nous nous le disons dans le, dans le bon sens. Bon. Alors les, les personnes donc euh, qui suivent malheureusement là je parle des antifa hein, euh, ben, ne voient pas dans l'ombre. L'agitateur professionnel qui dit Ah, oh, c'est par là Oh là là C'est Vincent Lapierre etc. Bon, ils le voient pas et même c'est si organisé en amont ils reçoivent l'information au dernier moment, hein, soi-disant bon, bah, parce que le gouvernement les poursuit, etc. Mais que nini hein. Si vous étiez poursuivi, euh, si le, 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 le pouvoir vous en voulait, par exemple, aux Antifa, aux femen à plein d'autres groupes, euh, ou, ou les Anonymous, bon, les mecs, si vous êtes poursuivi, Vie. Vous serez arrêté depuis longtemps vous croyez vraiment dans, au jour d'aujourd'hui avec toute la technologie l'intelligence artificielle euh, l'argent la corruption vous pouvez vous croyez encore qu'il peut y avoir euh, quelque part un dissident qui peut échapper à la surveillance ou à la poursuite de services de l'état et même la France n'agit pas seule hein. la, la France demande régulièrement de l'aide et même sans quelle demande euh, vous avez la CIA qui opère sur notre sol et partout dans le monde donc s'il y avait Quelqu'un qui était, qui serait dérangeant pour le régime français ou pour n'importe quel autre régime allié, <laughs> il serait depuis longtemps arrêté ou peut-être même dégommé en silence. Donc réveillez-vous. D'un, d'ailleurs, ça me permet de faire une transition. Je l'ai pas prévu sur Julian Assange. Hein. Euh, je vais vous donner l'information. J'ai pas prévu cette transition, mais ça me permet de donner deux-trois infos. Après, je vous saluerai, euh, mes chers amis et après on reviendra donc sur notre sujet par rapport euh, au courageux hein, au, au courageux et téméraire Vincent Lapierre. Alors, hop, euh, alors je, je profite pour passer un message euh, à OK euh, Dani. donc euh, j'ai la scie. Parce que Mason Machone, tu voulais passer, mais si j'ai bien compris, tu es occupé. Gilbert, ça va pas encore au niveau de ta sonorisation, puis les autres personnes, pour l'instant, c'est pas encore ça. Le Mike Rambo, je n'arrive pas à l'avoir en direct, donc j'ai eu plusieurs personnes qui ont discuté avec moi aujourd'hui c'est enfin je sais pas hein, ça, ça recommence comme avec France Actu Actu France enfin, peu importe les gens que j'ai eu ça parle de de de, de, de droits d'auteur enfin je sais pas de marques de logos de de copyright de de, de bon les mecs, moi je gagne rien, je le répète, je ne sais pas combien de fois, il faut que je le dise. Hein. Je ne gagne pas avec un euro avec ce que je fais. Je, me, je perds même de l'argent parce qu'encore une fois, je m'étais présenté seul au législatif sur mon propre argent. Donc, pff, si soit vous voulez qu'on qu se passe les uns les autres, etc., qu'on discute, c'est intéressant pour tout le monde. Mais arrêtez avec ces histoires de de, de, de droits d'auteur de je ne sais pas je ne sais quoi hein. donc voilà dany euh, dans quelques minutes hein, j'aimerais passer quelques sujets je te prendrai donc euh, par contre effectivement euh, je, je, je ne te connais pas donc je vais quand même euh, instaurer euh, des règles que je vous répéterai tous les soirs hein. c'est à dire euh, il faut avoir un bon son une bonne image ça c'est un minimum une image fixe un bon sens vous vous mettez quelque part deuxièmement les personnes que je connais pas dans un premier temps et vu que vous êtes beaucoup on mettra un espèce de chronomètre hein. ça sera pas toute la soirée et les au revoir sont difficiles parce que vous êtes tous intéressants donc si on met pas de de, de un espèce de une espèce de limite dans le temps on s'en sortira jamais donc on peut partir sur la base euh, de 5 minutes pour commencer hein, et puis après, la, la fois d'après, on fait 10 minutes donc voilà, Dany, si tu veux 5 minutes euh, je te contacte tout à l'heure et tu viens euh, tu viens pendant 5 minutes hein. allez euh, ça c'est pour Dany euh, alors je voulais vous donner euh, ce qu'il y a tellement à dire et après on part dans tous les sens je voulais vous dire un mot donc sur sur euh, Julian Assange, il y a tellement à dire. Hein. Hop, euh, il y a tellement à dire. Euh, alors. Sans rentrer dans les détails, parce qu'il faudrait toute une soirée sur Julian Assange, qui est. Pareil. Un anti-système, n'en doutez pas. Un anti-système, un, un héros même. Hein. Si. Euh, si. Euh, je vais peut-être choquer euh, des gens, hein, mais si si la bonté d'un dieu pouvait se personnifier sur terre dans un être humain eh bien pour moi le meilleur exemple serait julien assange je pense qu'en en, en ayant dit ça j'ai dit beaucoup de choses donc cet homme a besoin de notre aide, il est en train de souffrir, sa maman française appelle à l'aide régulièrement parce que la France lui refuse l'asile, la France, le pays des droits de l'homme, Cocorico, la France, le meilleur pays au monde, le pays qui fait les meilleurs contrôles sur la viande et j'en passe, le pays qui respecte les manifestants. Voilà. Ce pays-là, hein, le meilleur pays au monde, refuse le droit d'asile à Julien Assange et sa mère, sa maman à Julien Assange est française, hein, donc tout est prêt pour l'accueillir. Euh, il est donc cloisonné, euh, reclus dans l'ambassade d'Équateur depuis maintenant plus de six ans, peut-être même sept ans, euh, l'ambassade d'Équateur à Londres. Euh, il, voilà, parce que s'il en sort... Il sera immédiatement arrêté et extradé aux États-Unis ou alors en Suède, parce que c'est compliqué, l'histoire est compliquée, mais la Suède, euh, qui demande son extradition, parce que c'est indirect, hein, euh, l'extradirait elle-même directement aux États-Unis. Pour une, une sombre affaire de soi-disant viol, que je connais très très bien dans les détails pour avoir lu. Euh, je préfère connaître les affaires hein, avant de me prononcer. J'ai lu pr les procès-verbaux euh, en anglais, etc. Donc je connais bien l'affaire. Euh, c'est une invention de toute pièce, hein, soi-disant que c'était un viol. Euh, et donc bon, bah, moi je connais pas un violeur qui qui paye euh, ça euh, sans être condamné. Là, ça fait plus de sept ans hein, qu'il est comme ça reclus dans un même lieu, c'est une prison. Hein. Je connais pas. J'ai vu des violeurs vraiment avérés. Euh, avec preuves, euh, qui ont avoué, etc., qui ont fait beaucoup moins que ça. Et il euh, y en a, ils frangent jamais euh, de la présence et des gens connus que vous connaissez, des noms circulent comme un ancien euh, ministre, hein, dont le nom euh, euh, commence par l'an et finit par un g. Euh, D'ailleurs, que j'ai croisé par hasard il y a quelques années, j'ai fait un selfie avec lui. Euh, bon, ben voilà, si vous voyez cette image passer, je ne le connais pas. Hein. Il est passé, j'ai fait un selfie. Avec lui et je, je l'avais posté. Donc euh, euh, ce, euh, concernant Julian Assange, donc il y a plusieurs actions qui se multiplient malheureusement dans le silence le plus absolu. Cet homme euh, ne voit voit rarement la lumière du jour quand on sait que la vitamine D est tellement importante. Euh, il va il va très très mal au niveau de sa santé. Il a apporté à l'humanité énormément, énormément. Euh, le système, le système international corrompu, il y a beaucoup à détailler, hein, donc je, je vais, il faut, il, faut que je, je, il faut que je me restreigne moi-même dans mon temps de parole hein, parce que euh, le système mondial corrompu, la franc-maçonnerie, etc., euh, essaye d'installer l'idée comme quoi toutes les révolutions, euh, on va dire entre guillemets, les printemps arabes, etc. Euh, Sans créer euh, par la CIA, les États-Unis, etc. C'est vrai, mais pas tout. Hein. Pas toutes. Pas toutes. Le système met cette confusion de dire tout le monde est pareil, etc. Pas toutes. Euh, D'ailleurs, il y en a une que je connais très bien parce que j'ai moi-même milité de France pour faire tomber le régime. Enfin bon, c'est pas le régime qui est tombé. Hein, pour faire tomber. Le, le représentant du régime Ben Ali, que le système, le régime français a tout fait pour faire maintenir en place, ça devrait vous parler. Hein. Michel Allomari a dit à l'époque à l'Assemblée nationale on va envoyer nos gendarmes, nos CRS. Notre, on a une bonne expertise dans la gestion des manifestations, quand on voit ce qui se passe, enfin franchement on souhaite jamais aux autres ce qui nous arrive ici en France, hein. donc c est, c est, merci, n'aidez ni les Tunisiens ni aucun pays au monde hein. vous, êtes, vous, vous êtes un très mauvais exemple, n'aidez pas les Vénézuéliens n'aidez pas, ils n'ont pas besoin de vous occupez-vous de vos fesses hein, Macron et compagnie, hein. vos problèmes ici d'abord, ne vous occupez pas du Venezuela, hein, parce que nos nos chers amis vénézuéliens, le peuple vénézuélien, il a besoin de notre aide hein, parce que euh, on s'occupe pas, le, notre pouvoir ne nous, euh, ne nous ne nous ne nous euh, ne nous ne s'occupe pas uniquement de nous, hein, ne nous réprime pas. Euh, exclusivement le peuple français, hein. il réprime plein de peuples dans le monde. Donc, euh, autant qu'on l'occupe avec les samedis jeunes, euh, ça, ça évitera qu'il aille euh, continuer à euh, emmerder d'autres pays et d'autres peuples. Euh, donc, Alors, la révolution tunisienne ne fait pas partie hein, des révolutions qui ont été euh, fabriquées par les le, malgré que beaucoup sont persuadés de ça, je, si mon avis compte pour vous, la révolution tunisienne est à part. Elle ne fait pas partie du lot des printemps arabes fabriqués par l'oligarchie, le système, la CIA, les, la franc-maçonnerie. Elle est à part, à part, et elle, elle est grâce, grâce à cet homme qui s'appelle Julian Assange parce que les Tunisiens se doutaient bien, comme les Français, qu'il y a d'énormes magouilles de corruption dans, dans leur pays, mais ils n'en avaient pas la preuve. Là, moi, quand je dis que tous les magistrats, par exemple, sont francs-maçons, tous les politiques, tous les, les hauts fonctionnaires, on m'écoute, mais euh, on me dit euh, montre tes preuves. Je peux montrer des vidéos, je peux montrer des témoignages, mais ça sera toujours insuffisant pour la majorité des gens. Eh bien, ça c'était pareil pour les Tunisiens et Julien Assange a balancé des câbles, des câbles, des documents de la CIA, qui, noir sur blanc, détaillaient les propriétés possédées par la famille de Ben Ali et la famille de, de sa femme. Et on a appris que l'enfant le, de Ben Ali, qui avait à l'époque, je crois, même pas une dizaine d'années, Déjà posséder des, des villes, des villes entières à son nom. Donc déjà, ça c'était suffisant. Le régime ne pouvait plus, même si il a fait plusieurs interventions en disant c'est bon, je vous ai compris, un peu comme fait Macron actuellement. Euh, ça n'a ça, 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 ça plus marché, hein, ça n'a plus marché. Et donc bon bah les câbles balancer autre chose que les propriétés, hein, balancer autre chose. Euh, comme aussi les câbles que Julien Assange a dévoilés. Euh, sur Hillary Clinton qui ont permis cette victoire inespérée pour le camp Trump et que ça n'arrête pas là. Il... Et ces histoires-là n'arrêtent pas parce que euh, les, les adversaires de Trump, les, les partisans de Clinton aigris veulent prouver un lien. Il y a un lien, moi, je ne vais pas vous dire le contraire, mais veulent prouver ce lien entre les services russes et, euh, et donc Trump, mais indirectement à travers Julian Assange. Effectivement, Julian Assange, qu'est-ce qu'il fait Il centralise tous ceux qui veulent, qui ont à un moment ou à un autre, des informations lourdes, confidentielles, etc. Vous les envoyez, sur sa, en gros, hein, pour schématiser, sur sa boîte mail. Maintenant, bon, bah, il est devenu une organisation, lui. Et en plus, on lui a coupé les pieds et mains liés. Donc c'est des gens qui, à qui il fait confiance qui, quelque part, partout dans le monde, continuent à faire vivre euh, Wikileaks, euh, hein, du, de l'organisme qu'il avait créé, etc. Mais leur boulot, c'est ça. Et ce que fait Julian Assange, c'est ça. C'est-à-dire qu'il reçoit une masse phénoménale d'informations, tout ce qui est les, les leaks, les paper leaks, les machins leaks, tous les scandales d'évasion fiscale, c'est lui. Hein, il reçoit une masse phénoménale de, de, de documents secrets, etc. Que ce soit un banquier qui ramasse ça dans une banque, quelqu'un des services secrets qui balance ça, etc. C'est une masse phénoménale. Il faut vraiment que vous le compreniez. Donc à lire, à examiner, il faut des années, même une personne, il lui faut toute une vie, rien que pour une seule affaire, parce que c'est des, des mails à profusion, des, vous ne pouvez pas imaginer. Et donc c'est pour ça que euh, Julian Assange fait appel à tous les journalistes du monde de bonne volonté, y compris à vous-même si vous voulez, pour un peu mettre tous les cerveaux, les cerveaux pardon, on est dans une espèce de collaboration. Pour départager le travail, c'est pour ça que vous voyez les scandales, par exemple d'évasion fiscale. Euh, le Monde en parle euh, d'une partie, euh, je ne sais pas, moi Le Figaro d'une autre partie, euh, Newsweek d'une autre, New York Times d'une autre, parce qu'il y a un partage. On prend c'est comme si vous prenez une tarte, vous la découpez en morceaux et chacun analyse un morceau et après chacun balance les informations qu'il a. Voilà. Pour faire simple donc c'est une masse phénoménale d'ailleurs sur macron il y a eu une énorme fuite hein, pour ceux qui ne le savent pas c'est ce qu'on a appelé les macron leaks euh, en pleine campagne donc euh, présidentielle et votre serviteur bon ben moi je le dis il n'y a pas de souci hein, mais votre serviteur a est en possession de ces documents c'est une masse gigantesque de documents donc, qui prouvent des liens, ces documents prouvent des liens entre, entre les États-Unis, hein, pour ceux qui ne savaient pas, et euh, Macron. Euh, des liens directs avec l'équipe de campagne de Macron. Euh, il y a eu des transmissions de fonds, etc. Il y a la justice qui enquête encore. Euh, donc sur des euh, passations d'argent au travers, je crois qu'il y a une ministre qui est actuellement au gouvernement. Je ne veux pas me prononcer pour pas dire de conneries, mais a, je ne sais pas si c'est euh, euh, Muriel Pénicaud ou une autre qui a organisé, euh, qui était déjà ministre sous Hollande, qui a organisé euh, une, une c'est un événement parmi tant d'autres, une rencontre à, de Macron aux États-Unis. Bien entendu, euh, sous le procédé euh, habituel qui a été surfacturé, la rencontre payée en plus avec l'argent, notre argent à nous, hein, du contribuable, parce que Macron était à l'époque ministre de l'économie, et on a fait passer ça comme si c'était le ministre de l'économie qui a fait le déplacement, qui s'exprimait alors que bon, bah, c'était le Macron en campagne hein, qui, qui, qui s'exprimait aux États-Unis. Enfin voilà, il y a toutes ces magouilles-là. Votre serviteur, moi je ne peux pas m'occuper de cette masse phénoménale. Hein. Je vous dis très rapidement euh, ce que ça peut comporter. Il y a des informations sur des achats, des, 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 des commandes de coques, de drogues. Hein. Oui, 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 des personnes que vous voyez actuellement qui font partie de l'équipe de campagne de, 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 de Macron qui l'ont fait élire qui écrit, ils ont échangé des mails pour dire voilà des doses mais par-ci par-là on sait que la coque la drogue fait partie intégrante de la vie politique on le sait c'est pas enfin euh, vous voyez le livre de gérard forêt que je, je vous en ai parlé la dernière fois d'ailleurs j'étais euh, cela il a été censuré bien entendu euh, gérard forêt qui dit que Jacques Chirac se fournissait chez lui en coque euh, qui a balancé ce qui se passait pour Johnny Hallyday. Enfin, écoutez-le, hein. Gérard Foré, il est passé sur toutes les chaînes. Et qui dit, comme moi je vous disais, que l'attitude de Macron, ça, ça pue, ça pue, ça pue la même chose. Hein. Vous voyez, c'est les yeux de Macron, comment il est excité. Aussi, la, la coque donne... Euh, L'avantage, je ne sais pas si on peut dire ça, mais, mais fait maigrir, hein, c'est comme les amphétamines, hein, fait maigrir beaucoup. Hein, donc quand vous voyez des gens qui sont sveltes comme ça, vous voulez absolument leur ressembler, et eh bien c'est pas toujours une bonne chose. Hein. Il y en a qui arrivent à être sveltes parce qu'ils mènent une vie saine et ils arrivent à se retenir sur la nourriture, ils mangent bien, ils font du sport, etc. etc. Mais il y en a, ils, ils mangent n'importe quoi et ils prennent de la coque. Donc vous les voyez, quand ils sont vraiment comme ça, il faut vous poser euh, des questions. Donc voilà, Hollande, pendant son mandat, avait pris 25 kilos au moins. Et vous voyez, Macron, malgré les, les, les problèmes, euh, il garde la ligne et puis il est excité comme une puce. Euh, ça, c'est. Il y a les excitants, hein. je ne veux pas nommer pour ne pas me faire attaquer, mais je pense que vous avez compris mon idée. Donc c'est cet excitant dont je vous parle euh, depuis, depuis tout à l'heure qui euh, manifeste euh, ces symptômes-là. Euh, alors, et donc voilà, euh, les mails des macron leaks hein, que bizarrement les médias n'en parlent pas tellement, euh, dévoilent, dévoilent des échanges de l'équipe de Macron sur, voilà, des, des doses de la coque, etc. C'est pas tout, hein, vous savez, il y a tellement dans les macron Leaks. il y a aussi une société écran qui s'appelle, comme par hasard, la, Provi la Providence LLC, si mes souvenirs sont bons. Tout ceci, j'en ai parlé pendant la campagne présidentielle de 2017, bien entendu, comme ce soir, vous étiez... Je, je faisais même pas de live, je faisais des vidéos, je les mettais. Le temps que ça se fasse censurer, elles, elles ont été regardées par une dizaine de personnes. Donc euh, j'aimerais comme certains que je vois leurs live ou leurs vidéos qui carburent à, à je sais pas moi 50 000 vues, voire pour certains, certains des millions de vues, pour vous passer des informations intéressantes sans vouloir le moindre retour euh, financier. Là regardez ce soir on est à peu près comme d'habitude. On tourne aux alentours d'une dizaine, d'une quinzaine de fidèles sur ce profil Facebook, parce que c'est en plus un compte de secours, vu que le profil principal a été bloqué. Peut-être sur les autres réseaux sur lesquels je diffuse en simultané, il doit y avoir un, une ou deux personnes qui suivent. Mais c'est comme ça, hein. c'est euh, l'information, l'information encore une fois essentielle, intéressante, euh, sans aucune prétention de votre serviteur. Hein. Euh, cette information n'est pas diffusée. Euh, Pardonnez-moi, mais des conneries, hein, comme des, 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 des alarmes qui n'ont pas de valeur en disant oh, ⁇ si vous saviez ce qui se passe, il y a une ambulance qui vient de passer ⁇ elles font 2 millions de vues. Hein, ces types d'informations, ces types de, de vidéos, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, il euh, y a des informations sur cette société écran qui s'appelle comme par hasard. La Providence et l'LC. Pourquoi je dis comme par hasard Pour ceux qui ne savent pas, La Providence étant l'établissement le, 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 scolaire dans lequel Macron a connu sa, sa femme euh, qui était son, son institutrice, donc euh, Brigitte euh, euh, Osière, devenue Macron. Donc lorsque euh, il, avait, il était un jeune homme, on va dire, plein d'espoir, plein de vie, et que, je pense qu'il pensait un jour faire des enfants, et bien, à 15 ans, euh, il a été, il a fait, euh, il a été, on va dire, il a, il a rencontré ce, celle qui, en temps normal, si ça aurait été un homme, on aurait dit quelqu'un avec des tendances pédophiles. Alors, quand, quand, quand vous avez un homme, à 39 ans, 40 ans, moi, j'ai 42 ans, mais à 39 ans, 40 ans, qui, euh, rencontre de plus, en plus, c'est sans élève, hein. Vous avez un abus de pouvoir, parce que vous avez quand même, vous pouvez pas, si vous êtes policier, vous pouvez pas sortir avec un, pré, un prévenu, enfin, je veux dire, c'est pas très éthique. Euh, donc, euh, 39 ans, euh, un homme qui sort avec une jeune fille de 15 ans, je vais dire, euh, ce serait, vous trouverez ça au minimum déplacé, voire. Des actes pédophiles. Je suis désolé, il hein, n'y a pas un autre, un autre mot. Vous ne souhaitez pas pour votre fille, hein, peu importe vos, vos, votre ouverture, on va dire, vous ne le souhaitez pas pour votre fille. Vous essayerez, vous essayerez de la de l'en dissuader, de lui parler, etc. De lui dire qu'elle a la vie devant elle. Peut-être elle peut s'amuser, mais pas pas s'enfermer dans une relation, un mariage, etc. Euh, mais là, comme c'est inversé, que c'est une femme qui a donc qui a mis la main sur un jeune homme etc ça passe comme il lettre à la poste même ceux qui me suivent etc ils disent oui mais bon c'est lui qui l'a cherché donc on est toujours on a du mal à, à, à se dire que euh, les hommes c'est légal des femmes sur tous les plans donc si c'était une jeune fille de 15 ans on aurait dit il faut absolument la protéger et là comme c'est un garçon donc de 15 ans on dit quand même, il s'est bien amusé. Il, comme, il lui a quand même pas mal tourné autour. Donc euh, voilà, c'est, euh, je sais, alors je sais que, on, on, je m'éparpille, mais bon, vous êtes là pour ça, pour m'écouter. Euh, donc cette, euh, l'école s'appelle la Providence, hein, là où ils se sont rencontrés, et la société donc Écran, qui est, par laquelle ont transité beaucoup de fonds qui ont servi forcément à la campagne de, de celui qui est votre président aujourd'hui, eh bien cette société s'appelait La Providence LLC. Bon. Euh, dernier élément, et puis on va arrêter sur ce sujet-là, c'est euh, des échanges, même un document, le discours de, 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 de Macron devant, euh, devant la franc-maçonnerie dans une loge. Euh, il me semble que c'était, si je me trompe pas, hein, mais une des grandes loges de France, hein, c'est soit le Grand Orient, soit la, la, la GNLF. Hein. Mais euh, je pense que c'est le Grand Orient, mais c'est des passages obligés, hein, ceux qui ne le savent pas encore. Donc je laisse sans discours, hein, c'est est estampillé, il n'y a pas de souci, il l'a prononcé. Et on sait que Hollande fait la même chose, que tous les présidents font la même chose, que oui, ils sont aussi euh, franc-maçons, enfin tout le, tout ceci on le sait. Moi en, en plus de ça j'ai pas mal de preuves. Donc voilà. Euh, J'espère ne jamais faire l'objet de perquisitions parce que c'est un jeu facile apparemment. Euh, sauf que bon, ben certains arrivent à contrer les perquisitions, comme on a vu avec Mediapart. Vous avez des gens comme ça, des, des, voilà, qui arrivent à dire non, tu me feras pas une perquisition. Moi, si, j'ai même pas besoin d'avoir deux procureurs qui viennent chez moi. Si j'avais ne serait-ce qu'un huissier ou, ou le simple un simple policier, où ils viennent pas tout seuls les policiers, mais une équipe de policiers municipaux, hein, c'est vraiment le, le Là où vous devez même pas, euh, normalement, euh, vous inquiéter, on va dire. Si j'avais un, une équipe de trois policiers municipaux qui viennent me perquisitionner, je pourrais même pas, pas m'opposer. Même si je leur dis, vous n'avez pas un papier, euh, le juge, machin, le droit, regardez le droit, je ne pourrais pas m'opposer. Hein. Donc, euh, vous voyez, euh, il faut aussi... Alors, je sais que... Nous devrions euh, trouver ça insupportable, la tentative de perquisition chez Mediapart, mais aussi, il faut aussi essayer de, 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 de rester un peu lucide, surtout, avoir du recul, surtout, se permettre de réfléchir, d'avoir un esprit critique, surtout. Donc voilà, euh, Mediapart, il va falloir aussi euh, ce sujet le développer. Là il y a tellement à dire, je préfère qu'on n'aborde pas ceci euh, ce soir. Euh, alors, il y a euh, donc j'aimerais que euh, vous le fassiez. Il y a une pétition, encore une, donc pour, euh, pour libérer Julien Assange. Euh, je vais vous mettre euh, le lien. Hein donc voilà, vous avez une photo. Euh, alors don't, don't extradite uh, Assange uh, Sign the Petition. N'Extradez pas Assange La Pétition. Je vais vous mettre euh, le lien. Je vous invite bien entendu. Vous hein, êtes vous êtes libre. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter euh, surtout. Euh, moi je suis là. Vous savez en plus pourquoi vous êtes là, parce que vous vous donnez un minimum de crédit. À, à, à mon travail, à mes lives, à mon avis, et donc voilà, moi je vous le donne. Après, encore une fois, vous réfléchissez par vous-même, vous faites ou vous ne faites pas ce que je dis. Hein. Euh, voilà, je vous mets ça à l'image. Voilà. N'extradez pas, don't extradite euh, Assange, même si vous parlez pas anglais. Tiens, peut-être ici, on peut mettre français. Voilà, vous avez, vous voyez, vous faites comme je fais. Vous avez cet anglais. Ici, là, vous voyez. Et vous cliquez ici, vous le, mutez, vous le mettez en français. Et donc, ça dit, n'extradez pas Assange, signez la pétition. Vous avez un petit explicatif pour les plus curieux d'entre vous, hein, qui revient très rapidement sur Julien Assange. Vous voyez, hein, Julien Assange a rendu un fier service au monde entier en rendant compte des crimes de guerre américains, de l'espionnage de leurs alliés, etc. Et je, je vous assure que tout ceci est absolument vrai. Hein. Donc euh, voilà, vous trouverez ça intéressant de lire la pétition, euh, de la signer. On n'arrive pas à voir ah bah tiens, 15 863 signatures à ce stade. Hein, quand tu penses que Laetitia Ludowski euh, a frôlé le million avec, euh, avec une histoire, euh, une connerie hein, sur la, la taxe sur l'essence. Euh, je veux dire, c'est pas une nouveauté. Hein. Qui ne savait pas qu'il y avait des taxes sur l'essence et que c'est utilisé par le pouvoir à d'autres fins que que, 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 que la sauvegarde de la planète. Mais bon, c'est ça passe comme une lettre à la poste. Ça me fait penser aussi à, à comment elle s'appelait... Euh... Tiens, je vais mettre à l'écran. Comment elle s'appelait... Euh... De As, voilà. Euh, alors, je ne me rappelle plus de son prénom. De Asse. Voilà, De Asse, La féministe De Asse qui fait euh, dans la pétition contre la loi de travail de Myriam El Khomri euh, la franc-maçon hein, comme les autres euh, contre la loi de travail et alors que c'est quelqu'un qui est déjà médiatisé hein, euh, cette féministe de haas qui est sur les plateaux télé pour euh, pour aboyer soi-disant qu'elle veut euh, vraiment l'égalité entre les sexes et, et bien boum un euh, million de signatures et du coup on a été obligé de se la farcir elle comme représentante du mouvement de contestation sociale contre la loi euh, dite loi travail loi comrie qui est malgré tout passé hein. <laughs> et il euh, y a eu le la, la, la la Coupe d'Europe 2016, qui était passée par là, qui a vite balayé la contestation, nuit debout, oui, Hollande a réussi à l'éteindre. D'ailleurs, il y a une vidéo, hein, maintenant je pourrais pas mettre la main dessus, mais il y a une vidéo où Hollande s'exprimait, Allô, voilà, ça marche, il y a une vidéo où Hollande s'exprimait, euh, je crois devant une audience, à mon avis, américaine, où il leur disait, en secret, oui, oui, euh, je vais éteindre la contestation, euh, je vais utiliser la Coupe d'Europe. Ah bon, euh, tu sais faire ça, oui, oui, tu verras. Bon, euh, donc elle est où de has, déjà hein Est-ce qu'elle peut rendre des comptes euh, comment ça se fait que la, la vite abandonnée euh, Et donc là, je vous, je vous informe depuis le début sur le risque d'avoir ce même euh, la même histoire se répéter avec de qui captive le mouvement et qui l'éteint le moment où elle, re, elle en reçoit l'ordre. Comme a essayé de faire Jacqueline Moreau, comme d'autres, hein, que vous n'arrivez pas à identifier dans les gilets jaunes qui passent dans les médias, qui, euh, qui attendent, ils n'ont pas encore captivé assez de. de, de, de ils n'ont pas encore fédéré autour de leur personne assez pour euh, débrancher le mouvement le moment venu. Comme ça s'est passé avec Daniel Cohn-Bendit, comme, 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 comme l'histoire parle beaucoup, il suffit que vous vous y intéressiez un petit peu, que vous regardiez un peu en arrière et pas sur ce que vous apprennent, vous apprennent les médias officiels, l'éducation nationale. Il y a de, de l'information intéressante, il faut savoir chercher, faut savoir identifier, parce que c'est une, une toute petite masse dans un gigantesque bazar de fake news, de désinformation, de conneries. Euh, soit d'idiot utiles qui, qui sont là pour répercuter bêtement sans vérifier des conneries, soit d'agents de, 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 gouvernementaux, l'équipe Macron et plein des services secrets, que ce soit la CIA, les services secrets français, anglais, peu importe, la franc-maçonnerie, un magma de gens qui ont intérêt à noyer les réseaux sociaux l'internet de façon générale sous une montagne de blogs de conneries de vidéos de conneries de publications de conneries de comptes euh, sur les réseaux sociaux euh, de conneries euh, voilà il faut que vous compreniez ça et euh, moi j'essaye de vous aider un peu à ne pas perdre trop de temps parce que dans une vie on n'a pas on n'a pas le temps de tout lire de tout écouter de regarder toutes les vidéos c'est absolument impossible donc j'essaye de vous orienter pour aller vers ce qu'il a, ce que moi j'ai perdu beaucoup de temps et ce que je vous dis comme étant la vérité la plus probable en tout cas voilà euh, alors le lien je vous ai promis le lien je vous le mets et après on va avancer hum. Allez, je vous mets le lien. Alors, où est-ce que vous êtes Vous êtes là. Ensuite, on va avancer un petit peu. Voilà, le lien est envoyé il va apparaître chez vous dans quelques instants. Là, je vais l'épingler. Euh, voilà. Donc, normalement, euh, vous avez le lien, tout fonctionne. Ok. Voilà, moi je vois l'image apparaître là, donc ça, ça marche. Euh, alors, qu'est-ce que je voulais dire avant Désolé, Dani, hein, il va falloir que tu veilles un peu. Je sais, désolé à tout le monde, hein, mes émissions, enfin tout ce que je fais passe très tardivement. Je suis désolé. Euh... Alors, on va. j'aimerais vous passer l'agression, euh, qu on qu'on a, a parlé de, de, de Assange, et il faudrait toute une soirée pour que je parle de Julien Assange, il hein, y a beaucoup à dire. Déjà, dans la pétition dont je vous ai mis le lien, déjà, y a, pff, il y a un, un, un beau résumé sur cet homme, hein. très très courageux. D'ailleurs, si vous voyez mon, mon, ma vidéo où, euh, du 27 novembre il me semble où j'ai dit je vous ai expliqué ce qui se passe aujourd'hui avant l'heure je vous ai expliqué ce qui se passe avec benalla que c'est une partie de la police qui est mêlée ça, au fait que cette affaire soit sortie contre macron plus des opposants politiques à macron plus macron lui-même quelque part etc je vous l'avais dit déjà bien avant le 17 novembre et particulièrement dans une vidéo où je m'exprimais seul euh, le 27 novembre, que je n'arrête pas de vous mettre partout cette vidéo, et donc dans cette vidéo, j'ai appelé à ce qu'on sorte comme ça de, 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 cette, de, de, de ce cloisonnement euh, sur les taxes, sur le, les carburants, que on, on valait mieux que ça, la révolution valait mieux que des, 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 des quelques centimes faire euh, la manche sur. Concernant l'essence, ce qui était intéressant, c'est de récupérer le pays dans son intégralité, d'assainir toutes les institutions de la gangrène de la franc-maçonnerie, de faire respecter la laïcité, d'avoir une justice qui fonctionne. Il ne faut pas commencer par la fin, euh, ceux qui demandent le RIC, etc. Il faut commencer par le début. D'abord, on assainit les institutions et après, on rajoute des instruments. Sinon, ça ne marchera pas. Et donc, euh, j'avais aussi dans cette vidéo, voilà le lien avec Julien Assange, j'avais aussi dans cette vidéo appelé à ce que ça fasse partie de nos revendications, d'exiger donc euh, d'accorder l'asile politique comme il l'a demandé, comme sa mère à Julien Assange le demande, à Julien Assange en France. Voilà, c'était une de, de mes propositions de... de, de de revendications de gilets jaunes. Bon, vous voyez bien, euh, entre les émissions de Hanouna, euh, toute la télé, et malheureusement beaucoup qui, qui, qui représentent les gilets jaunes, on est très, très, alors là, à des années, à des milliards d'années-lumière de tous les sujets que j'évoque avec vous régulièrement dans mes lives et dans mes publications, Ils sont plutôt enfermés dans ces histoires d'abstraites de, de pouvoir d'achat. Ça, c'est le jeu. Ils font le jeu du, de, de, des politiques qui sont beaucoup plus aguerris que eux sur ces euh, éléments de, de taxes, de fiscalité, de vous ne pourrez jamais gagner les gars contre eux hein. c'est des professionnels de, de ça c'est eux qui fabriquent, c'est eux le système donc ils fabriquent les taxes ils les, ils les démentent, ils les aident artificiellement ils peuvent fermenter l'essence, ils peuvent la faire chuter ils peuvent tout faire, ils ont le pouvoir donc vous pff, arrêtez avec le pouvoir d'achat et tout ça, ils vous perdent d'ailleurs, je n'ai cessé de passer cet appel et je vais dire, on est à la veille de la grève générale j'en profite pour le repasser encore je n'ai cessé de vous informer dessus, mais bon, euh, aujourd'hui j'ai vu que il n'est il pas le seul, mais entre autres, Mike Rambeau était dehors à dire est-ce que vous faites demain la, la, la grève générale, etc. Mike Rambo que j'ai eu hier dans mon live, que, que s'il veut repasser, ce sera avec grand plaisir, que je pourrai passer aussi sur sa chaîne en simultané s'il le veut. Enfin bref, tout ça pour dire, il n'est pas le seul. Hein. il sont beaucoup de gilets jaunes, malheureusement, malheureusement, à ne pas avoir, on va dire, tous les avis, hein, toutes les opinions, ou en tout cas pas la mienne. Hein. J'ai rarement vu quelqu'un qui s'exprime comme ça quelque part, euh, qui soutient les gilets jaunes. Hein. Moi, je suis un gilet jaune euh, depuis toujours, hein, même avant les gilets jaunes, hein. depuis que je me suis présenté aux législatives en 2017 et même avant. Hein, euh, j'ai toujours eu euh, ce cœur révolutionnaire et de vouloir euh, libérer la France hein, de, cette, euh, de, de ces francs-maçons républicains barbares. Bon, bref, euh, donc voilà mon avis hein, de Gilets jaunes, moi aussi je suis Gilets jaunes, les mecs, c'est que c'est un piège, la grève générale c'est un piège, ne tombez pas dedans. Ne suivez pas ceux qui appellent à faire cette grève, soit ils sont mal informés, euh, donc c'est ce qu'on a... ce qu appelle les idiots utiles, c'est-à-dire qui, qui, qui colportent, qui répètent les, les, des idées sans aller au fond de comprendre, d'entendre tous les avis. Est-ce que c'est des bonnes idées, c'est des mauvaises, est-ce que c'est vrai, c'est faux Ils font juste colporter et le problème c'est qu'ils sont suivis, donc ça se propage un peu comme fly rider lorsqu'il va colporter. Comme quoi on va subir une invasion dès que euh, le pacte ONU sera signé, etc. Ou alors euh, que Macron va tomber de sa chaise s'il découvre qu'il est reçu par euh, Philippe Argillier. Bon bah ça fait un buzz phénoménal, mais c'est enfin moi personnellement, ça, ça, ça m'inspire pas confiance euh, ensuite pour regarder encore ces personnes donner soi-disant des informations. Euh, euh, donc voilà, pour demain, si vous voulez, écoutez tous les arguments, moi les miens, je vous les répète, ceux qui ne les connaissent pas. On est arrivé à sortir de ce qui nuisait au début aux Gilets jaunes, c'est-à-dire le phénomène de blocage, de blocage d'autres concitoyens, ce qui mettait des tensions intra-peuple, ceci euh, n'arrange pas le peuple, arrange plutôt euh, nos oppresseurs, hein, de voir que nous sommes divisés, qu'on s'engueule, on se bastonne. Il faut les comprendre, les gens qui ont besoin de se déplacer, parce que peu importe, même pour sortir, je veux dire, on a, ils ont le droit de sortir. Je dis, il faut pas obligatoirement qu'il y ait une finalité d'aller euh, se faire opérer euh, à l'hôpital. Hein. Peu importe, il faut foutre la paix. Euh, au peuple, il faut foutre la paix aux autres, même les autres qui partagent pas la vie des gilets jaunes qui même, peut-être même s'en fout la rouge, on s'en fout la bataille, ce n'est pas une bataille avec euh, on, pas, on est désarmé, ce n'est pas, pas une bataille de mitraillettes ce de, n'est pas une bataille de tête nucléaire la guerre ne se gagnera jamais comme ça, même que lorsque vous avez une armée la plus forte du monde comme l'a été la France face à, face à l'Algérie, vous pouvez euh, perdre et, et, et partir bredouille euh, parce que vous avez perdu la bataille politique, la bataille de l'opinion. Donc il est important qu'on a, on a beaucoup d'opinions favorables pour les gilets jaunes, etc. Le système essaie de retourner ça, donc de, de, de l'inverser avec plusieurs subterfuges euh, en, en diabolisant en permanence les gilets jaunes en, en essayant de les faire passer pour des casseurs votre serviteur il y en a beaucoup ici à nous battre pour à chaque fois démontrer que c'est un mensonge que plutôt ceux qui, qui, qui blessent ceux qui cassent avec qui arrivent avec des marteaux ceux qui euh, qui, qui éborgnent des yeux ceux qui commettent des actes terroristes contre le peuple, en visant intentionnellement, en éborgnant, etc. C'est la police politique, pas toute la police, hein, la police politique du pouvoir. Les mercenaires, il n'y a pas un autre mot hein, même s'ils sont. Okay, euh, peu importe leur fonction euh, au sein de l'État, c'est des mercenaires, hein, c'est des mercenaires de l'État, c'est des mercenaires, c'est des polices politiques. Bon ben voilà, il y a tout un travail qui a été fait pour que les gens soient informés, pour que les gens soutiennent leurs frères et sœurs des Gilets jaunes, et vous, qu'est-ce que. Enfin, ceux qui suivent bêtement cette grève générale et particulièrement ceux qui l'ont qui ont décidé qu'il y aurait cette grève générale, vous faites quoi Vous allez nous faire perdre tout ce, tout ce, tout ce tout ce crédit de, de bonnes opinions on va revenir au début lorsque il y en a y avait des personnes qui étaient empêchées de faire ci, de faire ça, euh, soi-disant que c'est pour le bien de tout le monde. C'est faux. Hein, ça, ça met de l'attention. Lorsque vous faites des blocages économiques, lorsque vous empêchez tel magasin d'approvisionner ou quoi que ce soit, mais c'est qui qui perd en premier C'est nous, c'est le peuple. Les produits qui vont manquer mécaniquement ceux qui vont encore être proposés à la vente leur prix va augmenter c'est une, une règle c'est même je dirais une loi de la nature donc eux ceux qui ont les moyens les oligarques même ceux qui sont pas oligarques mais qui sont qui sont fortune, enfin je veux dire aisés très aisés très aisés les hauts fonctionnaires pour pas aller chercher loin ils pourront toujours s'offrir tous les produits mais vous vous n'aurez plus accès euh, même si ça devient euh, la grève générale, c'est une utopie, ça n'a jamais marché par le passé, ils ont, les syndicats n'ont jamais rien réussi avec leur grève générale. Donc, même si demain, vous avez un pays bloqué, mais c'est qui qui va souffrir Mais c'est nous Imaginez, eux, ceux qui ont les moyens, les oligarques, etc., ils ont des propriétés dans d'autres pays. Ils ont juste à prendre l'avion, je sais pas moi, ils vont à Londres, euh, au Canada, ou même, admettons, je sais pas moi, en Tunisie, ou dans un pays d'Afrique noire où il y a l'armée française, c'est un pays qui est à eux. Hein. Ils ont, pff, je sais pas, ils vont en Centrafrique, euh, ils vont au Maroc, ils vont là où vous voulez, ils attendent que ça passe, ils prennent le soleil, et nous, on va être ici en train de suffoquer, en train de ramper tellement ça va devenir difficile. Tout va devenir cher, on va pas pouvoir se déplacer, etc. Les magasins, vous allez pas laisser les gens vivre à l'aise, parce que quand même, ceux qui vous appellent à aller acheter chez le producteur, machin, et à, et à emmerder la grande surface, et à, et, et, et à appeler... À la boycotter, enfin, je veux dire de manière dure, hein, sans... il y a le boycott intelligent, c'est-à-dire des produits bien ciblés qui ne nous, de toute façon, ne seront jamais bénéfiques pour notre santé, comme certaines boissons sucrées. Mais le boycott bête, comme ça, de bloquer pour bloquer tout, -dire les sur de surfaces vendent des couches aussi pour les enfants. Ceux qui vous appellent à aller plutôt chez le producteur, il va falloir qu'ils me disent hein, comment quel producteur. On prend comme ça sa bagnole, on va acheter des couches par-ci, on achète sa viande par-là et, et ses yaourts. Enfin, C'est complètement stupide. Hein. La, les infrastructures sont telles aujourd'hui que les, 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 la grande distribution euh, est quelque part nécessaire et quelque part utile après tout dépend de, de, de quel produit elle est remplie tout dépend comment les choses sont présentées etc donc il ne faut pas suivre comme ça euh, bêtement euh, parce qu'on vous a dit que c'est formidable ça marchera etc c'est catastrophique si jamais donc, euh, la grève générale ce que je n'espère pas si jamais euh, elle avait un succès de toute façon le pouvoir va tout faire pour la pour comme ils ont fait pour me donner 5 millions de vues à Jacqueline Moreau ou un million de signatures à, à Priscilla Ludowski, le gouvernement, vous inquiétez pas, il y aura toujours la petite main invisible qui fera que la grève générale sera plus ou moins bien suivie, etc. Ça permettra... Euh, un retour euh, euh, dans les premières lignes des syndicats, les syndicats étant encore une fois tous aux mains du pouvoir. C'est comme les antifas, les femmes et plein toutes les organisations. Et ce, ce racisme et que sais-je. Hein. Donc il faut le comprendre tout ça, il faut en avoir conscience. C'est pas facile, je sais. Tout est fait pour dé vous désinformer, mais si vous arrivez de temps en temps, vous êtes quoi Une vingtaine, malheureusement, vous n'êtes pas plus. Si vous arrivez à transmettre autour de vous l'information, bah ben 20 deviennent 40, et 40 deviennent 80. Donc euh, euh, c'est une catastrophe pour le peuple d'abord. Une grève générale, un blocage. On revient comme au début des Gilets jaunes, ça a été catastrophique. De 1. Vous avez entendu mes arguments économiques. Euh, il y a aussi euh, plein d'autres arguments contre cette grève euh, générale. Il y a un argument que j'aimerais aussi que vous entendiez, c'est le fait que les Gilets jaunes, euh, c'est une réussite. Pourquoi Alors il y a plusieurs raisons, mais pour moi, la raison première et fondamentale, c'est que c'est un cas d'école, ce fonctionnement, il n'y a pas de précédent dans l'histoire de euh, se mobiliser en masse. Un jour dans la semaine, le samedi, en plus ça tombe bien, c'est un jour de week-end, et de, 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 je dire, de, 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 de vivre normalement le, le restant de la semaine, ce qui permet de laisser la cité vivre, tourner. C'est d'abord intéressant pour nous parce que ça nous permet de prendre du repos, du recul, de recharger les batteries pour refaire des samedis encore et encore. Plus puissants les uns que les autres, pour faire aussi que ça dure dans le temps, parce que quand vous faites une grève générale brute, dure, mais vous pouvez pas, je veux dire, réfléchissez, vous pouvez pas vous, vous priver de salaire pendant plusieurs mois, même vous pouvez pas vous priver de soins, de plusieurs choses pendant plusieurs mois, donc c'est d'abord un suicide, c'est un auto-suicide du peuple d'abord, d'accord Eux, ça ne les dérangera pas, encore une fois, ils changent de pays, ils reviennent après. Donc, euh, euh, pourquoi ça dure les Gilets jaunes Parce que il euh, n'y a pas eu de blocage. Parce que euh, chaque samedi que le gouvernement il disait Allez, c'est bon, c'est fini, regardez, vous avez vu, mardi, il n'y a personne. Et bien, samedi, il y avait tout le monde. C'est pour ça que ça marche. Et c'est pour ça qu'il faut que ça reste ainsi. Là, la grève générale va essayer d'arriver jusqu'au samedi. Pour diluer un peu que les samedis, ça devient un bazar entre gilets jaunes, des drapeaux, de la cégette, etc. Que avec les blocages, on va tous déjà tirer la langue. Ça s'éteindra, ça s'éteindra, ça s'éteindra, ça s'éteindra. Donc, l'idée, le, le, la stratégie, c'est de continuer comme c'est déjà euh, depuis le début, uniquement les samedis. Et si des foulards rouges veulent prendre le dimanche, vous les, vous les laissez. Vous les laissez. Ils ont été ridicules. Ils ont été. Vous, tout le monde l'a vu. Ils ont été ridicules euh, lors de leur dimanche. Il faut les laisser seuls. Heureusement qu'il n'y a pas eu des gilets jaunes qui ont voulu faire les malins. Euh, D'ailleurs, bon, c'est toujours les mêmes qui ont, qui ont dit euh, on va faire toute la nuit et puis le matin, etc. Qui ont, bon. Ils ont été ridicules. Il faut les laisser faire. et le seul moyen donc pour que les Gilets, gilets jaunes, jaunes durent, c'est qu'on reste sur le même système uniquement le samedi, on se repose la semaine, ce qui ne veut pas dire de ne pas faire des, des actions, euh, des initiatives personnelles. Moi personnellement, depuis le début, j'appelle à bloquer une chose, hein, pas, pas les magasins, etc. Les Merdia. Depuis le début. Donc, s'il y a des personnes comme je vois Galactica et d'autres qui peuvent, comme ça, qui ont le moyen de s'organiser sur leur temps perso, euh, vaut mieux pas être seul euh, en, en petits groupe euh, et connaître un petit peu la réglementation, savoir quoi répandre, etc., qui vont faire des Facebook Live euh, comme fait Galactica, faire le tour de quelques médias hein, que vous connaissez. Hein. J'ai mis une carte avec des triangles. D'ailleurs, tiens, je vais mettre ça à l'écran pour. En même temps que je parle, c'est où euh, Donc ça va défiler. Euh, eh bien, il faut le faire. Hein. Si vous avez la possibilité comme ça d'aller vous montrer, de les filmer, vous mettez devant les merdias, vous les filmez. Hein. Ils veulent, euh, de toute façon, ils ont choisi euh, de, de la célébrité. Eh bien, vous les, vous mettez devant et vous les filmez. Euh, eh bien, faites-le. Hein. Alors pourquoi ça démarre pas ça Ok. Voilà, là ça démarre. Hop, voilà. Donc vous voyez là, j'ai fait un dessin. Donc en tout cas, de ce côté-là, ouest de Paris, euh, sud-ouest de Paris, vous avez la majorité des merdias. Faites, euh, prenez des initiatives comme ça dans la semaine, allez euh, déclencher des lives par-ci, par-là, avec des gilets jaunes, etc. Galactica le fait très bien. Bon, mais... Mais c'est tout. Le reste, on met la sauce le samedi. N'imposez pas aux autres de bloquer ou d'être bloqués. On se mène. Donc voilà, mes amis. Je pense, euh, de toute façon, si vous êtes, on va dire, avec un minimum de d'esprit, de, de stratégie et de logique, je pense que vous m'avez entendu depuis le début et même que vous n'avez jamais, vous n'avez même pas besoin de moi, que vous n'avez jamais imaginé faire la grève générale. Maintenant. Je sais très bien comment est l'être humain. Hein, il est toujours, et euh, euh, tant mieux, dans la contestation. Mais bon, c'est une contestation de tout et n'importe quoi. Moi-même, je suis tout le temps contesté, mais c'est normal. Hein, on est tous comme ça. Euh, on me... Dès que j'essaye un peu de, de, de vouloir mettre mon expérience au profit de la cause... Beaucoup y voient euh, un, une recherche de gains de gain personnels alors que je le répète, je n'ai gagné, je n'ai jamais gagné un euro sur tout ce que je fais, je fais tout ça pour mes enfants que je ne vois pas, pour avoir une justice euh, qui n'est pas corrompue par la franc-maçonnerie, pour aussi échanger le système pourri euh, qui nous domine en France, dénoncer la réalité de la franc-maçonnerie. Voilà pourquoi je me bats, je me bats... Pour la révolution pour cette cause et pas pour autre chose même si encore une fois dans ma vie je, je suis loin de rouler euh, sur l'or euh, je rappelle mais est-il euh, euh, nécessaire de le dire mille fois que je me suis présenté aux législatives en 2017 seul sans parti et sur mon argent personnel et que c'est de l'argent que je n'avais pas d'avance donc j'ai fait des crédits donc voilà sachez le ça, sachez le euh, respecter en moins ce que je suis en train de vous, de vous dire. Je vois que certains euh, choisissent la facilité de dire euh, ah oui mais moi euh, j'ai un copyright sur ma chaîne et si on si, on, si, si je passais chez toi si tu passes chez moi il faudra ci il faudra ça il y a, il y a des droits d'auteur je vois d'autres ah oui mais euh, euh, sur le sur mon sur ce messenger euh, je ne vais pas te mettre administrateur parce que c'est pas ton groupe, etc. Bon, ben ça, déjà j'ai au moins un groupe sur Messenger que j'administre, que je ne vais pas divulguer le, le nom sur lequel je mets donc les personnes que j'estime euh, de valeur et intéressantes. Mais si vous me rajoutez alors que je ne vous ai rien demandé sur des groupes, là on parle de Messenger, mais ça peut être d'autres types de groupes. Il est tout à fait normal. Enfin, moi, j'estime je, que c'est normal que je vous demande aussi de me mettre administrateur euh, parce que je gère plusieurs choses à la fois. Et si c'est pour aller me retrouver dans 50 000 groupes, avoir mon téléphone qui explose de notifications et, euh, au passage, me faire euh, me faire insulter ou alors me faire me faire ridiculiser par des agents du système, par des fake, des comptes fake, par des, peu importe comment on va les appeler, par des, par des trolls, par peut-être des antifas parce que là j'avais soutenu euh, Vincent Lapierre ou peu importe. Si c'est pour ça, moi ça m'amuse pas. Donc euh, voilà, au moins si je suis admin, moi j'ai par expérience euh, cette, euh, comment dire, cet instinct de démasquer donc les manipulateurs, ceux qui roulent pour encore une fois pour l'État, ou tout simplement les idiots utiles hein, qui se font embarquer, etc. J'ai bah, cette intuition, intuition à force, cette expérience de les démasquer, et donc je pourrais euh, faire gagner énormément de temps à tout le monde, et même éviter moi-même de me faire tout le temps harceler, insulter, ces personnes, je les supprime euh, du, du groupe, ou je suis... Ou je les bloque, ou peu importe. Donc voilà, il faut que ça soit clarifié hein, cette histoire. Hein. Euh, je n'ai aucun gain personnel, et je, je le dis à certains, je, un groupe ça jamais euh, enrichi personne. Et hein. j'ai mes propres groupes. Bon, euh, allez, euh, je vais vous mettre la vidéo donc sur l'agression de Vincent Lapierre. Après, on va avancer, je vais voir si dany euh, est encore réveillé j'ai promis de le prendre cinq minutes euh, alors on regarde l'agression de Vincent Lapierre que je condamne fermement hein, fermement hein, euh, les, les les que ce soit les euh, les antifas ou beaucoup d'autres entités que je vous ai citées, hein, que ce soit des associations soi-disant contre le racisme etc les anonymous etc tout est noyauté tout est vérolé vous avez certainement des personnes de bonne foi de grande valeur des humanistes peu importe etc mais malheureusement elles sont emmenées emmenées par des agitateurs professionnels qui ont une autre une autre une autre visée celles qu'ils mettent en apparence c'est d'ailleurs le fonctionnement de la franc maçonnerie c'est ça va être les premiers à vous parler de droits de l'homme liberté égalité fraternité et ça va être les derniers à, à respecter ces valeurs là euh, donc les plus jeunes d'entre nous respectez un peu les anciens au lieu d'être dans l'insulte il méritait pas ça vincent lapierre moi je ne mérite pas ça que ce soit ce demain c'est quand je descendrai sur le terrain ou là lorsque vous venez me, me parler ou quoi que ce soit Prenez le temps, au lieu de vous énerver parce qu'on vous a programmé, dès que vous entendez certaines phrases, Fachot, Fachot, facho, euh, ah, Soralien, Nazi, je vous en supplie, calmez-vous, prenez le temps d'observer, d'écouter encore une fois les, les, les plus anciens, les plus âgés. Savez, on dit, il y un proverbe qui dit Celui qui te dépasse d'une nuit te dépasse d'une expérience. Mais. Écoutez tout ça, je sais que c'est difficile hein, pour que vous puissiez vous calmer, etc. Que vous ne soyez pas tout le temps dans cette tension hein, parce que vous êtes manipulé, vous êtes endoctrinés, vous êtes programmés par l'école, les médias, les films, les séries, ce qui... vous êtes enfermé dans une bulle de manipulation, ce que vous voyez euh, sur Messenger, sur euh, Facebook, ailleurs. Voilà, c'est mon message. Je le répète encore, je le répéterai jamais assez. L'autre message, c'est non à la grève générale de demain, non à tout type de blocage économique, non, euh, ça tuera le mouvement des Gilets jaunes, non, ça va euh, permettre aux syndicats de faire de la récupération. Euh, voilà, plusieurs raisons. Allez, on regarde. Donc là, vous euh, voyez, c'est la chaîne donc, qui a diffusé ce document, la chaîne, la chaîne sur YouTube. Donc euh, euh, voilà, hein, je, je ne peux pas euh, et je ne m'amuserai pas à vous donner euh, à chaque fois euh, dans le détail les liens, le machin, etc. Vous devez quand même faire un minimum de recherche personnelle. Allez, c'est parti. Pour cet acte 12, les Gilets jaunes ont défilé contre les violences policières. Mais ce jour-là, à Toulouse, les violences ne venaient pas des forces de l'ordre, mais de certains manifestants eux-mêmes que l'on appelle Black Bloc ou encore Antifa, des groupuscules d'extrême gauche connus pour leur ultra-violence. Vincent Lapierre, journaliste aux Médias pour tous, qui suit de très près le mouvement des Gilets jaunes depuis le début et accompagné de son caméraman, était présent dans le cortège pour réaliser des interviews. Quand soudainement, ils se sont fait violemment agresser par une quinzaine de ces Antifas. le met l'abri là. <laughs> il y avait les mecs qui se ruaient à plusieurs. Des cagoulés, euh, noirs, cagoulés noirs. Ils font la police euh, à l'intérieur. C'est pas, pas, pas normal, on est tous ensemble, il n'y a pas de division. là Tous les ceux mecs, qui veulent manifester manifestent. C'est quoi cette politique intérieure et comme par hasard, ils n'ont même pas de gilet jaune, ils sont encagoulés. C'est tous les antifas. C'est les mais ils sont envoyés par Non, mais j'ai repéré depuis tout à l'heure, parce que je connais Vincent Lapierre, je suis ses reportages. Et j'ai entendu, moi j'étais derrière, et j'ai entendu les gars qui disaient « Ouais, c'est Vincent Lapierre et tout, un facho, un mec de... » Je trouve ça dégueulasse, parce que bon, il a le droit de filmer, Ce qui s'est passé, c'est qu'en début de cortège, on a été prévenu par pas mal de gens que... Mais qu'il des... Des gens mal intentionnés, on va dire, euh, derrière, mais on ne s'est pas inquiété plus que ça parce qu'on les a vite identifiés et euh, ce n'était pas plus inquiétant que ça. Le truc, c'est qu'on se rend compte que Black Blocks ou, euh, ou ceux qui se dénomment comme Antifa, ce qui n'a strictement aucun sens en réalité aujourd'hui, euh, sont très organisés en fait, très 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 organisés. Ça veut dire que du début de la rue de Metz jusqu'ici, où on est fin rue de Metz, eh bien, ils se sont regroupés, ils se sont très très bien organisés, et puis ça à l'insu de tout. Hein, de... On n'a rien vu de tout ça. Et à un top bien précis, ils nous sommes tous tombés dessus. Tous d'un coup. Prendre des coups, être roué de coups à plusieurs. Bien dix mecs sur un mec. Excellent, quoi. Beaucoup de courage. Hein. Bravo les gars, quoi. C'est le seul qui nous aide, c'est le seul qui parle pour nous. Il le déglingue, quoi. C'est n'importe quoi. C'est quelqu'un qui fait des reportages très intéressants. qui sont vraiment au cœur du peuple et de, de tout le peuple. Voilà. Et moi, quand je l'ai vu ici, j'étais content. J'ai dit, c'est bien. Et... Et puis après, j'ai pensé, j'ai commencé à voir un peu ce qui tournait autour, et là, j'ai dit bon, bah ça y est, ils vont y avoir droit. C'est pour cela pour imposer la peur, c'est tout. Allez, on avance. Allez, on avance. Et on continuera quoi. C'est pas ces collards qui vont nous arrêter. Ah d'accord. Un peu plus tard, place du Capitole, ces mêmes individus ont fait une autre victime. Quand ils commencent à gueuler euh, antifacho, antifacho, alors que les gilets jaunes, il y a des fachos, il y a de l'extrême gauche, il y a de tout. Moi, je ne supportais pas les gens qui veulent nous diviser, donc je leur ai fait une quenelle devant. Ça a déclaré l'hystérie, ils me sont tombés dessus, à 10 contre eux, je ne peux rien faire. Ils sont payés par le pouvoir, c'est le bras armé du pouvoir, c'est les idiots utiles du pouvoir. Depuis les débuts du mouvement, les gilets jaunes manifestent ensemble, qu'importe leur bord politique. Étant réunis autour de revendications communes. Mais il semblerait que ces nervis d'extrême gauche en aient décidé autrement et se permettent d'attaquer sauvagement ceux qui leur déplaisent, que ce soit d'autres Gilets jaunes ou des journalistes qui donnent honnêtement la parole aux Gilets jaunes. La présence de ces éléments perturbateurs dans les cortèges remet en cause l'unité, la pluralité et la crédibilité du mouvement. Si les Gilets jaunes ne veulent pas le voir s'affaiblir, ils auraient tout intérêt à prendre conscience du problème. À part ça, la journée s'est terminée de manière habituelle. C'est pour protéger Merci. en cas de de, de, de charge. Mes chers amis j'espère euh, que vous avoir apporté assez d'éléments pour que vous puissiez euh, nourrir votre réflexion je vous ai donné aussi mon avis bon euh, on va passer à autre chose alors je voulais vous donner euh, des informations j'en ai plein euh, dany la si, si tu veux pas venir juste cinq minutes dany parce que euh, déjà il est bientôt une heure euh, je suis comme beaucoup, hein, je, suis, euh, je ne suis pas un robot, donc je, je suis un peu fatigué, même pas mal. Euh, donc voilà, Danny, est-ce que tu m'entends Je suis désolé, je t'ai fait attendre toute la nuit. Est-ce que tu veux venir 5 minutes Alors, tu viens. Euh, concernant Mike Rambo, Mike Rambo, tu, tu, tu es fatigué, donc... Euh, c'est compréhensible, mais n'hésite pas, Mike Rambo. Si c'est pas ce soir, un autre soir, tu me contactes, tu peux venir. C'était sympa je, avec ton équipe. Je n'ai pas très compris ce qu'il voulait de moi. il me parlait de copyright et tout, mais avec toi, c'était vachement sympa. Donc, euh, Mike, c'est quand tu veux pour venir euh, t'exprimer. Euh, voilà hop on va euh, je vais vous donner donc d'autres informations on va essayer d'avancer hop donc actuellement sachez qu'actuellement donc bon bah il y a, y a des idiots utiles qui euh, qui sont prêts pour bloquer donc euh, ringis hein. il n'y aura pas que Rangis, mais là je vais vous montrer une photo d'orangis. Donc là, voilà, la, la, la petite nouveauté que vous allez découvrir demain, c'est qu'il y aura plein de gilets rouges. Il y aura des gilets jaunes et des gilets rouges. Bravo Bravo la CGT, bravo le, 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 le gouvernement d'avoir infiltré des, des, des têtes, on va dire, pas très pensantes. Donc là, voilà, on va avoir des gilets rouges et des gilets jaunes et je me, je me demande si ça ce samedi on aura on pourra encore voir euh, distinguer le jaune du rouge donc voilà je vous montre une photo mais c'est le monde qu'il y a actuellement donc là bas Regardez ce monde qu'il y a devant euh, Rangis actuellement, qui vont veiller, donc euh, ils sont prêts déjà pour bloquer. Déjà, vous pouvez considérer que c'est bloqué. Hein. Voilà. Ringis. Voilà, donc vous avez, euh, comme vous voyez là en bas de l'image, vous avez du jaune à droite et euh, du, du, du rouge à gauche. Hein, vous voyez le, le rouge de dos et le jaune de dos. Et demain, vous verrez plein de de, de rouges parmi les jaunes. Et ben voilà, c'est pour moi c'est une catastrophe. J'ai envie de. de... <laughs> Je suis dégoûté. Hein. Je suis dégoûté. Le pire c'est que tu pars. Il y a plein de gens qui qui me disent euh, mais ta parente de dire ça. Euh, euh, tu 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 veux pas que le, le mouvement il marche mais. Ça va tuer le mouvement, ce que vous faites les gars. Ça va tuer le mouvement. Hop, voilà. Euh, alors, d'autres informations. Il y a beaucoup d'informations. Hein. Je, je n'arrête pas de le dire, je sais, mais il y a beaucoup. Si vous saviez les choses à savoir en France, dans le monde, si vous saviez, si vous quand vous voyez tous les merdias français, et il y en a, il y en a à l'appel qui tourne en boucle le, le même quart d'heure des mêmes trois informations soit disons la viande qui n'a rendu personne malade euh, ils il te font plein tous les sujets sur ça euh, macron qui s'exprime machin il n'y a pas l'information hein. bon je vous apprends rien allez euh, une information donc euh, l'armée française a bombardé un convoi armé en provenance de libye Hein, soi-disant comme d'habitude hein, qui seraient euh, des terroristes hein, comme d'habitude donc l'armée française qui, euh, qui a un blanc sein partout hein, en Afrique et pas et pas, et pas que qui, euh, qui, 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 qui est là pour soi disant nous défendre mais qui apparemment on la voit pas trop nous défendre hein. euh, je parle lors des lors des, des, des manifestations gilets jaunes hein, J'aurais aimé voir notre armée euh, s'interposer euh, pour empêcher que d'autres personnes, euh, des, des, des chercheurs de vérité, des porteurs de vérité, comme par exemple euh, Jérôme Rodrigue, comme certainement demain votre serviteur lorsque euh, je serai repéré sur le terrain, pour protéger hein, ce, ce, ces enfants du peuple, euh, et protéger le peuple dans son. Dans un, sa généralité hein. bon, ben face à face au flashball hein, qui éborgne euh, ce serait bien d'avoir euh, un militaire qui s'interpose qui dit non non tu baisses ça mon gars voilà il t'a rien fait hein. ils sont calmes pourquoi tu les vises bon ben bon je suis en train de rêver comme d'habitude hein. donc euh, je, je vais pas rentrer dans les détails mais l'armée française a bombardé un convoi armé qui disent armée, un convoi, on va dire, on va simplifier. L'armée française a bombardé un convoi. Elle a fait ce bombardement euh, dans le ciel du territoire tchadien. Et ce convoi était en provenance euh, de la Libye. Allez, on va pas rester dessus, il y a tellement à dire. Tiens, donc dans la nuit de, de dimanche à lundi. C'est-à-dire la, la nuit précédente, il y a un homme de 29 ans dans qui s'est fait couper la main en pleine rue et les auteurs n'ont toujours pas été interpellés. Il, il se pourrait que ce soit un règlement de compte. Hein, ça se trouve, hein, c'est les mêmes agents gouvernementaux qui ont attaqué. Euh, alors, il faudrait qu'on découvre qui est le malheureux, le malheureux qui a eu le, le, la main coupée. Hein, le malheureux une partie de l'agression a été filmée par une caméra de bus un machiniste a témoigné machiniste c'est ce qui c'est la dénomination pour le conducteur de bus un machiniste a témoigné avoir croisé une bande d'hommes poursuivant la victime armée de machettes et de barres de fer la victime a tenté de se, se réfugier dans le bus le machiniste ne voulant pas Importer l'Arix à bord de son bus a refusé de le laisser monter à bord. Bravo, hein, je veux dire. Je sais pas. C'est une catastrophe. J'étais conducteur de métro à la RATP, donc euh, j'ai d'ailleurs été viré sans raison. Et au passage, c'est un petit coup pour la RATP. Je suis au Prud'homme, donc. Euh, euh, la ratp ce serait bien que tu m que tu reconnaisses euh, euh, tu reconnaisses, euh, mes droits hein. donc euh, euh, je sais très bien qu'un machiniste euh, il peut très bien il même il est dans l'obligation dans un chien oublions les lois non assistance à personne en danger etc. Les, 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 les lois humaines les valeurs humaines il fallait la prendre cette victime dans ton bus et tu traces, mon gars, tu le prends comme ça en passant. Tu fermes même si tu t'as pas fermé. Tu, tu traces un hein. s'ils se sont pas mis devant toi. Bon, bah s'ils sont mis devant toi, il ya toujours des solutions. Hein. Tu, tu lances, tu as un bouton, tu lances un appel au secours. Tu fais genre, tu es en train de manœuvrer marche arrière, etc. pour gagner du temps. Il ya toujours quelque chose à faire. Il ya toujours quelque chose à faire. Tu laisses pas le gars se faire manger dehors, se faire couper la main en disant. T'as eu peur de, que ce soit à bord d'importer, t'as eu peur d'importer l'ARIX à bord de, de ton bus. Bon, allez, c'est pitoyable. Euh, Cameroun, donc il y a eu, d'après euh, Israël, Israël juge qu'un qu ministre camerounais, a tenu des propos antisémites. Et donc euh, Israël exige euh, des excuses de ce euh, ministre. Alors, je n'ai pas envie euh, de rentrer dans les détails pour savoir exactement ces propos et je pense qu'on ne nous les dira pas. Donc voilà, je passe vite sur l'information. Donc la bagarre extrêmement euh, violente, là où un, un homme s'est fait couper la main, s'est passée dans le dixième arrondissement. Hein, au cas où je ne l'avais pas, je ne l'avais pas euh, dit. Alors écoutez bien ça, en pleine affaire Benalla qui n'en finit pas. Écoutez bien ça, ça va vous intéresser. Eh bien, euh, écoutez bien ça, prenez le temps d'absorber cette information. Il y a un skieur euh, bordelais qui a été percuté violemment en décembre 2017. Il s'est passé tellement de choses hein, en 2017. Donc en décembre 2017, un skieur bordelais se fait percuter violemment alors qu'il se trouvait sur une piste de mangie, de la mangie, de la mangie, En même temps, c'est là où le, le lien. Il se fait percuter violemment en même temps que Emmanuel Macron et son service de sécurité, donc Benalla. Euh, était donc sur les lieux, ou passait par là, et même carrément, euh, je veux dire, il n'y a pas de doute, c'est le celui qui conduisait, hein, celui qui conduisait, à, je ne sais pas si c'est le service de sécurité ou Emmanuel Macron, parce que c'est écrit dans l'article de Sud Ouest, conduit ce jour-là par un certain Alexandre Benalla. Alors, je vais regarder vite fait pour vous. Allez, je vais vous, 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 vous lire la, la note. Donc plainte transmise au parquet de Tarbes qui fait la sourde oreille depuis. Nous ne disposons d'aucun élément. Donc là, c'est le parquet de Tarbes qui dit. Nous ne disposons d'aucun élément. Nous n'avons aucune nouvelle depuis le dépôt de plainte. Et l'on se demande pourquoi. Euh, pardon, ça, c'est l'avocat. Donc l'avocat dit, nous ne disposons d'aucun élément nous n'avons aucune nouvelle depuis le dépôt de plainte et l'on se demande pourquoi entre parenthèses hein, je, je, je vais dire j'estime que je peux le dire hein. je fais tout ça pour mes enfants je gagne rien entre parenthèses j'ai plusieurs plaintes qui prennent la poussière contre euh, mon ex-femme contre des intervenants euh, je vais dire euh, de l'état euh, ça moi non plus, hein, je vois pas le bout. Hein. Mes, mes enfants grandissent, hein, je ne vois pas le bout. Donc voilà, là, il, là cet avocat s'interroge pourquoi la, la plainte, on attend, ça ne donne rien. L'avocat qui a écrit à plusieurs fois au procureur de la République, j'ai écrit aussi. En vain. Vous <laughs> voyez Donc il dit, on se heurte à une opacité euh, la plus absolue dans cette affaire, et pas que pas que cette affaire, mon, mon cher avocat. Regardez, moi, je n'ai pas croisé Benalla, mais j'ai croisé la justice. On se heurte à une opacité la plus absolue dans cette affaire. Il y a un couvercle et rien ne sort. Comme s'il en voulait nous cacher quelque chose. Oui, <laughs> il n'y a pas que ça. Il y a les placements des enfants, il y a tellement de, de, de choses que la justice cache. Donc... Sur les images de vidéosurveillance sur place, on peut apercevoir le service d'ordre et de sécurité du président de la République. Donc, écrit la sénatrice, c'est une sénatrice. Les huit officiers de sécurité comptent parmi eux Alexandre Benalla, facilement identifié sur les enregistrements. Ces, ces éléments n'ont donné suite à aucun appel à, à témoins sur ce dossier. Donc voilà, là c'est encore un, un, un épisode à venir sur Benalla, une affaire qui n'en finit pas. Bon, je vais euh, peut-être vous lire très rapidement, euh, vous saluer euh, très rapidement. Alors, qu'est-ce que c'est que ça On a le pape qui fait la bise avec. Euh Alors, je ne sais pas exactement qui est. Je ne peux, je n'ai pas envie de m'aventurer, mais je vous mets la photo parce qu'elle vaut le détour. Alors il y a eu un arrêt, hein, un arrêt sur image qui fait que comme si le pape avec euh, je ne sais pas si c'est un imam, ou... bon bah, je vous laisse juste, je vous mets la photo. Hein. C'est une photo que j'ai chopée mais que je pourrais pas vous dire exactement si c'est à Cuba ou en Turquie. Donc il y a eu euh, un arrêt sur image et on dirait que le pape est en train de rouler une pelle donc à ce je ne sais pas si c'est un imam. Tiens, regardez voilà cette photo Tiens, là je vous l'ai agrandi je vous l'ai agrandi là regardez là c'est encore plus flagrant Je sais pas ce que vous en pensez. Bon. Allez. Euh, Rical, tu me dis merci pour la vidéo. Eh bien, merci à toi aussi. Ils ont mis la main sur le Vatican, bien entendu. Vatican 2. Hein, C'est un... ceux qui savent de quoi je parle. Vatican II, depuis Vatican II, tout est bazardé dans l'Église. Alors, je vais vous lire un petit peu. Il y a d'autres informations, mes chers amis, mais franchement, on ne peut pas tout gérer, on ne peut pas tout dire euh, leur avance. Je vais regarder, j'ai l'impression que Dany. Alors, Dany était en train... Je vérifie Dany. J'ai plein d'autres informations, mais on n'aura pas le temps. Alors d'ici euh, Dany tu me dis d'ici 1h30 ça fait ben, je sais pas là voilà je te demande si c'est là tout de suite ou pas euh, alors je voulais euh, pff, tellement de choses à dire bon allez je vous dis très rapidement donc Fabrice Arfi c'est l'un des journalistes de Mediapart celui qui était à droite de... à droite de... comment il s'appelle Édui Plenel. Édui Plenel. Donc il a donné une autre précision après tous les directs qu'ils ont fait aujourd'hui, la conférence de presse à Mediapart, etc. Mediapart, ça commence à... Moi, ça commence un peu à me pomper, parce que j'ai l'impression que vu que maintenant, on ne croit, personne ne croit plus. Au naturel des, des scandales balancés par le canard enchaîné, on a créé un nouveau média euh, qu'on essaye de crédibiliser par tous les moyens. Alors, je ne dis pas que c'est faux ce que vous publiez, je ne dis pas que c'est mauvais le travail que vous fournissez, mais quand même, euh, je me pose beaucoup de questions, euh, pourquoi vous et pas d'autres, et puis euh, pourquoi euh, je n'arrive pas à vous joindre. D'ailleurs, Mediapart, vous avez utilisé une de mes vidéos. Euh, Mediapart, vous avez utilisé une de mes vidéos sur votre site internet. Moi perso, je m'en fous des droits d'auteur. D'ailleurs, je, je, je n'ai pas de droits d'auteur dessus parce que c'est des vidéos que j'ai récupérées d'une un, diffusion média. Mais vous l'avez utilisé sur votre site. Vous savez très bien qui je suis. Euh, je vous ai envoyé des mails, je vous ai envoyé des tweets, j'ai essayé de vous joindre depuis des années pour m'exprimer chez vous ou en tout cas pour vous donner quelques sujets, quelques informations que j'aimerais que vous publiez, que vous ou alors que vous traitiez, vous ne vous m'avez jamais répondu. Donc voilà, c'est il faut savoir ça aussi. Votre jeu, pour moi, il n'est pas très clair. Hein. Il n'est pas très clair votre jeu. Euh, c'est toujours la même chose. Hein. Benalla, 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 l'argent, l'évasion, benalla, l'argent, l'évasion, on dirait que c'est soit le gouvernement qui parle, soit les représentants des gilets jaunes, pas tous, mais la plupart, l'argent, le, les impôts, l'évasion, benalla, l'argent, les impôts, le pouvoir d'achat, l'argent, hein, puis certains, le RIC, le RIC, les mecs, il a pas que ça, il n'y a pas que ça, Non, nom non d'un chien il y a la justice qui est gangrénée la, la laïcité qui n'est pas respectée les, les placements abusifs d'enfants les, les, les vaccins qu'on n'a pas de réponse les guerres qui tuent qui, qui nous ramènent beaucoup de problèmes de, qui, qui, nous, qui, qui tuent des gens qui nous coûtent des représailles qui coûtent des milliards c'est pas les quelques millions de l'isf et, 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 et j'en passe et j'en passe des sujets mais vous pouvez pas un peu sortir un peu de ce champ là ou alors vous faites exprès c'est pas possible bon allez donc ce fabrice harfi il dit le parquet de paris confie en off en off ça veut dire euh, qu'ils ne veulent pas être euh, enregistrés lors de, 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 de ces déclarations en, en, lorsque vous il y a quelqu'un qui fait une déclaration à un journaliste, il le fait, mais lorsqu'il veut pas qu'on dise que c'est un tel qui a dit ça, qui soit filmé, etc., il dit là, là, on se met en off. Donc déjà, le journaliste, il change d'attitude, il arrête de filmer, et puis juste, il tend l'oreille, il utilise l'information comme il veut, il ne cite pas la source, etc. Bon, bref. Donc le parquet de Paris confie en off, donc quelqu'un du parquet, hein, confie en off ce soir à plusieurs journalistes que la vie privée visée dans son enquête préliminaire, dans le cadre de laquelle il a voulu perquisitionner Mediapart ce matin, n'est ni celle de Benalla ni celle de Crase. Donc voilà cette information que je voulais euh, vous donner. Après, donc, Fabrice Arfi continue dans son interprétation et il rajoute, cela signifie que nous avons un procureur qui ouvre une enquête pour atteinte à la vie privée, sans plainte, mais sur la foi d'un signalement d'un fantôme dont on ne, on ne sait rien et qui n'est ni cité, euh, ni entendu dans les bandes révélées la semaine dernière. Euh, alors où est-ce qu'on en est euh, Danny Je vais bientôt te couper. Alors, où est-ce qu'on en est Est-ce que tu dors déjà euh, Alors. On va s'arrêter là sur les infos. Je vais essayer de vous lire un petit peu. Alors, Elise, bah tiens, Elise, tu es sur VK ce soir Donc bonsoir Elise Qt. Bonsoir, Élise Cuté sur VK. Euh, Est-ce que j'aurai le temps de remonter tout le monde Alors, très rapidement, allez, on va essayer de faire un sprint. Euh, tiens, bonsoir, Joseph Seul. Ah, 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 j'ai oublié cette image. J'ai oublié, merci Joseph, tu vois. Je ne savais pas que j'avais, j'étais sur cette image. Ben voilà. Pardon, pardon. Arto, Laurie, tu dis... Mais dis, tu peux... Euh, enlever la, cette photo euh, lol. Ah bah j'ai oublié ces, cette image. Bon bah désolé. Allez euh, Un bonjour rapide. Il y a une lecture mais extrêmement, extrêmement, extrêmement rapide mes chers amis parce que j'aimerais quand on, qu on a coupé le live. J'ai... Il y a tellement de choses encore à dire mais j'ai quand même dit pas mal de choses particulièrement sur cette grève générale qu'il faut absolument pas faire qu'il faut pas suivre alors Marie Lefebvre Tavernier bonsoir ma chère Marie bonsoir ma chère Marie Lou Gderms, la forme euh, j'essaye Marie Lou c'est pas facile hein. euh, alors il faut, euh, il faut il faut penser à, à bouger les amis hein, contre contre tous les problèmes euh, le seul remède c'est euh, l'activité, le sport. Euh, C'est faire attention, bien entendu, à ce que vous mangez. Ne prenez pas toutes les merdes médicales, euh, les, les, les pastilles pour la gorge, tout ça. Prenez euh, du miel, hein, uniquement du miel. Vous pouvez, pour avoir l'aspect vitamine C, rajouter du citron, euh, bon bah du ciseron, ou alors des. Des cuis, euh, voilà pour l'aspect vitamine C, mais ce n'est pas obligatoire. Même si vous prenez du miel, vous vous bien, vous, vous 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 sucrez bien au miel, par exemple, votre café, ça fera le café, la caféine fera office de ce que du boulot, de la vitamine C, c'est largement suffisant. D'ailleurs, c'est un cocktail. Lorsque vous, avec le froid, etc., vous êtes complètement abattu. Vous avez peut-être aussi un peu mal à la gorge. Vous faites un bon café bien chargé en miel vous buvez ça vous verrez c'est une potion euh, une potion de Medimnawar, c'est une potion d'astérix allez oh, je vais arrêter de vous lire parce que je sais que après, euh, à 4h du matin je suis encore là allez gilbert chabrol bonsoir mon ami je l'ai déjà salué Chosi, euh, Arto artolori eliscuté euh, donc eliscuté je suis étonné de te retrouver sur VK. Mais c'est bien, Elise, c'est bien. Ça me permet de saluer VK au passage, tu me le permets. Euh, Joe, cool Raoul. Euh, Chris Ocelich. Je, je ne pourrais pas vous lire, mes chers amis, je vais passer vite. Hein. Nabiha Saidi. Euh, comment tu vas, Nabiha J'espère que tu vas bien. Euh, Kikal. Bonsoir, Claudine Even, bonsoir ma chère Claudine, Sabine Duperche, Kevin Kies, euh, qui d'autre Felice, Valérie, comment tu vas Felice JP Ugnel. comment tu vas toi aussi Tu dis salut les Tunisiens, bien entendu, salut tout le monde, Tunisiens, Africains, Européens, Français toute l'humanité, révoltez-vous debout avec la France pour chasser les francs-maçons. Le grand matos. Hein, C'est ton nom. Toi aussi t'es sur VK avec Elis QT. Euh... Tu poses une question. J'ai dit que j'allais pas vous lire. Tu dis comment Assange fait-il pour continuer à divulguer sans être gêné euh... Tu te trompes un peu, hein, parce qu'il continue pas. J'ai donné l'explication. C'est que lui, maintenant, il est complètement neutralisé. Il est très malade. Hein. Il est très malade. Mais ce qu'il a mis en place, cette organisation Wikileaks et puis d'autres formes. Puis, il n'y a pas que lui qui fait des choses comme ça sympa. Vous avez le balèze de, de Mega Upload. Hein. Comment il s'appelait Il s'appelle. Hein. C'est un Allemand qui est devenu millionnaire. Euh, son nom m'échappe. il a il a, il a un... son nom échappe hein, le balèze de Mega Upload mais vous me l'écrirez qui est parti justement euh, s'exiler en Nouvelle-Zélande hein. il a une propriété de fou hélicoptère tout le bazar donc ils sont beaucoup hein, à, à relayer un peu à faire vivre ce, le, ce que a créé Julian Assange ils sont beaucoup à gérer euh, un peu partout dans le monde, bénévolement, généralement bénévolement. Hein, le, 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 le le système Wikileaks, donc, il continue à recevoir, recevoir encore et encore des documents de partout dans le monde, de gens, de sentinelles, de gens comme vous et moi. Si vous êtes un jour banquier, vous voyez passer sous vos yeux comme ça, eh bien, oh, oh, si vous cherchez où l'envoyer, bah faut l'envoyer sur la boîte de WikiLeaks. Hein. Essayez quand même de cacher euh, votre identité, etc. De le faire depuis un endroit où vous ne serez pas identifié. Si vous voulez pas vous faire identifier, mais si vous en foutez, bah, vous, vous mettez votre, votre, vos coordonnées. Donc voilà, j'espère t'avoir répondu. Le grand matos, c'est que et c'est pas, c'est comme votre serviteur, hein. c'est pas. Un, moi, j moi, moi, je suis vraiment seul. Hein. Mais lui. C'est pas un homme à, à, à 15 000 bras euh, et en plus il est euh, il est vraiment étranglé là-bas hein, dans le, ce qui lui reste, ce qui lui sert de, de lieu de vie. Hein, C'est un, une pièce dans l'ambassade euh, de l'Équateur de Londres à Londres. Donc voilà, j'espère t'avoir répondu. Hein. Donc il y a des gens qui font qui font vivre Wikileaks à sa place. Richard Debré, bonsoir. Euh, Marilou, je t'ai déjà salué, Stivo, bacon comment tu vas frérot? Bonsoir. Euh, qui d'autre Claudine, je t'ai vu. Olivier Poco, bonsoir. Joe, je t'ai vu. Rical, je t'ai vu. Elise, je t'ai vu. Bah tiens, Elise, tu disais bonsoir le grand Matos. Donc tu vois bien que vous êtes ensemble là-bas sur VK. JP je t'ai vu alors est-ce que je vais arriver à remonter vite le fil d'actualité Il faut plus que je vous lise tout simplement. C'est pas que ce n'est pas plaisant, c'est extrêmement plaisant mes chers amis. Mais malheureusement, il y a beaucoup de choses à faire. Et là j'en ai fait pas mal et il faudrait qu'on avance, qu'on clôture. Euh Felice, je t'ai vu. Rical... Alors d'ailleurs, euh, ça, le message sur. concernant. là je viens m'apercevoir, euh, Julian Assange, je l'avais mis juste sur Facebook, donc je le mets, je le mets là à l'instant, il apparaîtra sur. Euh, normalement, sur VK, sur YouTube, sur Periscope, sur Twitch, voilà. Donc ça, d'une part. Euh, bon, ben je pense que je vais louper des personnes parce que j'ai perdu. Antolori, euh, donc euh, bonsoir. Ginette euh, Riester, bonsoir. Euh, Joseph, mon frérot, comment tu vas Il va falloir que tu viennes intervenir comme avant. Hein. Toi, tu es de la première heure. Hein. Tu as commencé. Euh, t'étais étais là au début où je faisais des essais. C'était un peu chaotique pour pouvoir faire cette chaîne, des lives comme ça t'étais présent euh, il faudrait que tu viennes Lopez Valana bonsoir toi je t'ai pas vu passer Mason Méchon et Gray Yellow bonsoir mon ami donc là t'étais occupé tout à l'heure avec tes copains bah tu viendras une autre fois Sabine du Perche voilà, l'association d'Eric Drouet, j'ai eu peur que tu... Je pensais que tu faisais de la pub pour lui. Donc effectivement, Sabine, c'est ce que j'arrête pas de diffuser euh, et d'alerter, de, euh, de dire, attention, euh, euh, Eric Drouet, donc Muster Crew, je pense que c'est ça que tu affiches, parce que moi je vois juste un lien, je pense que c'est ça, le, ce que j'affiche tout le temps, Muster Crew. Une association de passionnés d'automobile qui a contacté une certaine euh, Priscilla Ludowski pour lui dire Ta pétition, elle est super bien, on va t'aider. Bon, ben voilà, il se passe des choses quand même. Il y a toujours cette petite main invisible qui aide certaines pétitions et pas d'autres. Certaines vidéos, comme celle de Jacqueline Moreau et pas d'autres. voyez, ma vidéo, par exemple, ça sera vu par, allez, dans le meilleur des cas, 500 personnes et pas 5 millions. Alors, je vais arrêter de vous lire. Il faut que j'arrête de vous lire parce que je vais pas pouvoir clôturer. Catherine Jaco, bonsoir, je t'ai pas vu toi. Euh, hop, alors. Qui d'autre Qui d'autre Après je vais redescendre en bas parce que là je suis tout en haut. Allez, maintenant, je redescends en bas. Subtil Ben, je t'ai pas vu. Bonsoir. Tu vas pas à la grève, ben, c'est ce qu'il faut faire, il faut informer les autres. Il ne faut pas s'énerver quand vous voyez des gens faire la grève générale, en disant ⁇ Ah !⁇ Moi, j'arrête pas d'envoyer de, euh, ceux qui font appel. Ceux qui appellent, c'est pas pareil. Ceux qui la font, généralement, c'est des gens qui n'ont pas les bonnes informations. Mais ceux qui appellent intentionnellement à faire la, 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 la grève générale, cela, j'arrête pas d'écrire en disant ⁇ Bande de collabos, hein, vous voulez noyer les gilets jaunes ⁇ mais il ne faut pas vous énerver comme moi je, 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 je le fais, moi je le fais contre ceux qui appellent. Donc, lorsque vous croisez ces gens-là, vous leur parlez calmement en leur donnant les arguments que je vous ai donnés. Est-ce que c'est utile de, de, de créer les mêmes tensions qu'au début des Gilets jaunes, c'est-à-dire de, 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 des tensions intrapeuples avec ceux qui bloquent et ceux qui sont emmerdés par le blocage, etc. Tout ce que je vous ai dit. Tout ce que je vous ai dit hein, et qu'on se on se on se on s'auto-suicide nous-mêmes en fait hein, au final hein. allez on va clôturer Teddy Colin, mon ami euh, bonsoir allez je pense que j'ai vu tout le monde il va falloir clôturer Hop, euh, la spiruline Joseph parfaitement la spiruline Tiens, Nabiha Saidi, tu as mis le drapeau tunisien. Alors, hop hop hop, je peux pas, mes chers amis, vous lire. J'ai vu, là, je vois passer Poutine chez Teddy, je veux pas, euh, j'ai passé vite, parce que sinon, je vais encore y être. Allez, avant de vous dire, donc, bonne nuit, je lance un dernier appel, je sais, parce que c'est tardif, etc., je lance un dernier appel à Denis Jlassi, Dani, Jlassi. Donc tu devais, je t'avais promis de te donner la parole cinq minutes. Euh, on n'arrive pas depuis toute la soirée à se croiser. Donc je lance un dernier appel. Est-ce que tu es prêt Est-ce que tu es là Et sinon, euh, eh bien, ça sera qu'une par que partir aux muse, mais je, te, je peux pas te promettre à l'avenir. Hein. Parce que si je suis organisé déjà avec d'autres personnes, je ne pourrai pas forcément te prendre. C'est très difficile l'organisation. Je vais écoute, il est 1h24. Je vais me permettre de t'appeler. Euh, J'espère que tu m'en voudras pas. Allez, je t'appelle en direct. Alors, un instant. Je règle, donc je serai obligé euh, de me retrouver. Ah, tiens donc je serai obligé de couper euh, ma caméra... Euh, pop up up. Alors, on va, faire, on va se mettre sur la pétition. Le temps... Alors, la pétition, elle est là. Voilà, le temps que je gère ça. Voilà. Voilà. Là. Je suis en train de t'appeler, euh, Danny. Ça sonne. que vous entendez comme moi sonner hein. donc je vais mettre à l'écran comme ça vous pouvez voir que j'appelle bien Dani et après on va s'arrêter voyez c'est chez Dani que j'appelle alors Dani hein, je suis désolé je sais que tu n'es pas c'est pas uniquement de ta faute c'est On a eu du mal, l'heure est tardive. Mais malheureusement, ce n'est pas de ta faute, mais malheureusement, je ne pourrai pas renouveler donc, cette promesse un autre soir. Hein, je sais que tu ne sais pas uniquement de ta faute. Mais malheureusement, la promesse de te faire passer en live, je ne peux pas la, la, la tenir tous les soirs. Donc, si jamais un soir, euh, j'ai envie et que mon le, le, organisation le permet et que tu ne seras pas encore une fois. Euh, Croiser euh, avec d'autres personnes, euh, enfin je sais pas. Donc là, euh, je t'ai promis hier pour aujourd'hui, j'ai tout essayé pour tenir cette promesse, nous ne sommes pas tous les deux euh, arrivés. Euh, voilà, à l'avenir, pour moi, ma promesse, je l'ai réalisée, même si t'es pas passé. J'ai réalisé ma promesse. Euh, voilà, hein, je suis désolé. Après, on parlera. Comme, comme disent les journalistes, on parlera en off. Je verrai si euh, on, on renouvelle l'expérience. Allez. Euh, Rebelle Pacifique, bonsoir. Allez. Mes chers amis, donc, pour tout le monde. Allez. Euh, tiens, je vois vite fait comme ça en passant. C'était toi qui a dit bonjour tristesse. T'es dit Colin, tu dis... Euh, J'arrive et ça finit. Bonjour Tristesse. Bon bah tu fais allusion à Bonjour Tristesse, le, le, celui qui, enfin le, le, le youtubeur qui se fait appeler Bonjour Tristesse, mais c'est pas son vrai nom. Euh, je pourrais vous en parler. J'ai un, comme, comme sur plusieurs choses, j'ai un, un dossier hein, sur lui. Il s'appelle Mathieu Langatte, ce jeune homme. Et euh, c'est pas, c'est pas un dossier, on va dire. Euh, glorieux qu'il a, qu a lui déjà c'est pas quelqu'un qu'il faut suivre, hein. c'est un acteur hein. c'est un acteur et même euh, un mauvais acteur très mauvais allez euh, mes chers amis ça sert à rien de, de s'attarder encore plus euh, je vous souhaite à toutes et à tous tiens Elise tu es, tu es venue je te vois sur Facebook maintenant, T'as quitté VK tu te balades Elise Elise, tu te balades. T'as quitté VK, maintenant tu es sur Facebook. Eh bien, c'est tant mieux. Mon micro est coupé. Qu'est-ce que tu dis, euh, euh, Gilbert Mon micro n'est pas coupé. Hein. C'est toi qui, 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 qui ne m'entends pas. Hein non, Gilbert, mon micro n'est pas coupé. Tiens, je vérifie. Hop. Non, non. Là, je m'entends. Il y a toujours 20 secondes de décalage, je m'entends. Allez, on va s'arrêter là. Mes chers amis. Alors, José Duc, euh, bonsoir. Je n'ai pas compris ce que tu m'as écrit. Teddy, vous m'entendez très bien. Gilbert, tu dis que c'est mou. Hein, tiens tu vas voir euh, tu vas recevoir quelque chose qui sera pas très très mou t'as qu'à augmenter ton sang tu mets des tu mets des, 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 des écouteurs et un kit main libre d'ailleurs il va falloir que tu ailles le chercher ton kit main libre gilbert hein. tu passes dans le live il est temps que tu nous racontes ta mésaventure d'aujourd'hui tu as été convoqué chez les gendarmes Oh bah tu pourras t'exprimer en live sur cette mésaventure. Allez, euh, pour tout le monde, je vous souhaite une très bonne nuit. Là, pour une fois, on va pouvoir peut-être dormir un peu plus que d'habitude. Il est 1h30. Je vous souhaite une très bonne nuit. Je vous souhaite euh, une bonne matinée hein, de, de, de ce mardi euh, 5, euh, 5 février. Euh, ne vous énervez pas, même si vous rencontrez des blocages, essayez de leur parler calmement. Euh, ne bloquez pas, <laughs> ne faites pas grève. Hein. Je sais que c'est dur parce que euh, la CGT a des façons, c'est le gouvernement, hein, c'est comme les Black Blocs, hein, donc il y a des façons agressives de vous dire Ah, t'es pas avec nous, donc t'es contre nous, t'es un salaud, etc. Bah, soyez fort, hein, soyez fort, vous savez. Euh, C'est trop facile d'être anti-système parce que tout le monde est anti-système. C'est trop facile, euh, euh, je vais dire, d'être pro, euh, de répéter le discours euh, qui est entendu euh, chez BFM TV. Euh, vous ne prenez pas beaucoup de risques. Hein. C'est trop facile de dire, lorsque tout le monde dit Oh, nous sommes tous paris, nous sommes tous solidaires parce qu'il y a eu un attentat. Ou, etc., ou que le, ceux qui parlent du 11 septembre, c'est des complotistes, parce que c'est fra, franchement un rôle facile hein, de dire Oh, les conneries, ça, c'est un rôle facile. Il est beaucoup plus difficile d'aller dans le sens contraire, hein, de dire euh, Le 11 septembre, c'est pas un complot, de dire Oui, il y a beaucoup de problèmes dans les placements abusifs d'enfants, etc. D'ailleurs, Gilbert en a fait la mère expérience de dire la vérité. Euh, de dire le blocage, c'est pas une bonne idée et je ne ferai pas grève. Tu peux me traiter de collabo, de ce que tu veux, ou alors de se faire traiter de facho juste parce que on donne une information euh, différente de BFM TV, comme l'a fait le, 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 le pauvre euh, et non moins téméraire euh, donc Vincent Lapierre, courageux. Vincent Lapierre comme votre serviteur encore une fois euh, je veux dire moi je suis un homme seul si demain euh, comme Vincent Lapierre il me tombe dessus à 10 même deux même deux personnes même une personne euh, ça m'empêchera de faire ce que j'étais j'avais prévu de faire d'avoir quelqu'un qui vous harcèle comme ça qui vous qui même veut en venir en main avec vous donc c'est trop facile hein, c'est trop facile d'aller toujours dans le dans, dans le suivre la voie tracée et pas vouloir essayer de, de, de défendre la vérité défendre même si c'est pas la voie que tout le monde suit c'est même si c'est pas la voie de la masse hein. donc voilà je vous invite ceux qui euh, dans la boîte il euh, y a beaucoup de grévistes qui ils vont vous harceler ils vont vous désigner du doigt ils vont je vous invite à rester convaincu de ce que vous faites, restez ferme et s'il le faut, arborer fièrement un gilet jaune en disant ⁇ Je fais les samedis, moi, je suis gilet jaune, je fais pas la grève. ⁇ Si tu veux que je t'explique mon choix, je peux très bien te l'expliquer calmement. Hein, parce que les blocages, ça a amené de la tension au début du mouvement et toutes les grèves générales n'ont jamais duré autant que... Le mouvement Gilets jaunes il est en train de durer. C'est un cauchemar pour le gouvernement, pour les capitalistes que vous semblez combattre. Voilà, il faut euh, calmement, même si après vous retrouvez avec des gens véhément, agressifs, vous êtes seul et ils sont euh, 250. Soyez convaincu de ce que vous faites. Tiens, mes devises, je vais vous les relire. Une dernière fois. Alors où est-ce que j'ai mis ça Mon papier de devises ah bah tiens, c'est juste à ce moment-là où je ne me trouve pas mon papier de devise. Mais bon, il me semble que mes devises sont euh, solidarité, courage et surtout fidélité. Hein Allez, euh, bah j'ai plusieurs devises hein, entre autres. <laughs> Ça, c'est une de mes devises. Euh, donc, bonne matinée, soyez courageux, initiative les bonnes initiatives, ne soyez pas des idiots utile, fonctionnez avec votre cerveau, votre expérience, cherchez l'information par vous-même, ne, ne, ne la prenez pas déjà prête dans les médias et ailleurs. Passez une bonne journée et je l'espère, on se retrouve euh, ce soir mardi. Si jamais mes chers amis, à l'avenir, moi pour moi c'est quelque part c'est une sécurité, c'est une assurance de venir vous voir tous les soirs au moins. Vous, si vous ne me voyez pas un soir, vous vous inquiéterez pour moi, vous chercherez après moi. Donc, même si un soir, je ne peux pas faire le live parce que je suis ailleurs, parce que pour diverses raisons, je ferai quand même un, mi un micro live depuis mon, mon téléphone portable en disant, voilà, les amis, je suis là, tout va bien, etc. Je débrieferai peut-être en 5 minutes l'actualité euh, chaude. Et, euh, et je couperai euh, il presto, hein, en euh, juste histoire pour que vous aperceviez pour que vous aperceviez euh, que tout va bien en ce qui euh, me concerne. Je vous remercie pour votre bienveillance, je vous remercie pour votre solidarité, et donc je vous dis à ce soir, dormez bien, reposez-vous et euh, passez une bonne matinée. Bonne journée.